dégager. Mette la caillou. Corona pas vine jouer. Prends distance ou. Corona son danger. Lave main ou. Corona pas vine jouer. Mette ma sou. Corona son danger. Mette la caillou. Corona pas vine jouer. Prends distance ou. Corona son danger. Lave main ou. Corona pas vine jouer. Mette ma sou. Si nous pas mette ma sou. Mette ma sou. Mette. Si nous pas. Prends distance ou prends. Si nous pas mettez masque, mettez masque, mettez. Si nous pas prends distance ou prends. Demain bagay la pral pi grave. Demain bagay la pral pi grave mes amis. Demain bagay la pral pi grave. Demain bagay la pral pi grave mes amis. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et encore une fois, bienvenue sur DJ Max and Friend Black on White Uncensored. Je vous dis avec quelques minutes de retard qui, indépendant de volonté, nous bien sûr, nous comptons ça. Nous allons choisir un retard, mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Et mais finalement, nous là, puis nous là, vaut mieux tard que jamais. Nous sommes au rendez-vous avec vous tous les dimanches et de d'abord, nous, la première signe que nous prenons, nous avons patience quand nous avons pour nous connecter avec nous. Je dis à la, comme Noël nous a annoncé déjà un peu plus tôt sur Facebook, que sujet à jeudi à la, c'est si la peine de mort est divine, qu'en est-il du sixième commandement, tu ne tueras point. C'est nous a annoncé la semaine passée à tout, nous te promettre que c'est un sujet à jeudi à la, et m'a rappelé tout le monde le arriver, si nous voulons participer, m'encourager nous participer à la sujet ça, et m'a rappelé nos téléphones 786 633 1020. M'a posté un peu plus tard, lui arrivé que m'avait invité nous venir participer avec nous. Nous qu'a relé sur téléphone WhatsApp ou bien sur Skype si nous voulons faire vidéo. Alors, n'a dit monsieur Brizo qui est avec nous dans le studio aujourd'hui à la bonsoir et malheureusement Sophie gagne un empêchement personnel du papa avec nous et monsieur DJ Mo l'a pour rejoindre nous un peu plus tard. Alors, monsieur Brizo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Max, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les amis yo. Et fidèle, mon cadis ami DJ Max and Friends, on sait ce Black and White, qui fait tous les dimanches à côté de 6h ou 8h. Comme je le dis au préalable, c'est un bagage qui parle, qui vit directement indépendamment de volonté non. Et oui, là, c'est pas directement nous qui fait ça. Et il y a une famille plus, il y a un accident, et tout le bagage qui est arrivé, il y a un malade. Et vini en la studio, c'est pas faute de nous-mêmes qui fait pas directement là à l'heure, malgré les facultés techniques. Mais je dis à son communauté de santé, nous avons compris tout parce que les gens m'ont marché à nous, à son monde qui clopant. Mais quand même, nous faisons l'effort parce que nous sommes un sacrifice énorme et que nous-mêmes nous faisons tout, l'orité oublie l'activité personnelle pour qu'on ait été devant. Si quand on téléphone, on attendait, on regarde directement ça qui a passé, on regarde à côté. Et dans l'histoire, et dans toute bagarre, ça nous fait divers. Il y en a les mêmes pour nous-mêmes, tout, qui nous font sacrifice d'hommes pour nous quitter la cage de la pour nous sortir d'un point à un point pour nous arriver. L'institut va directement là, en Floride, directement là, directement pour nous capables de porter des nouvelles qui gagnent dans le monde, dans, plus particulièrement du coronavirus. Et comme Max Tegot a parlé directement depuis dimanche passé, il a parlé de ça, et que la peine de mort, est, s'il est divine, qu'en est-il du sixième commandement, des dix commandements qui est écrit dans l'Exode, directement qui est dans la Bible. Et que normalement, pour croyant, yo, et qui connaît le bon Dieu, et qui connaît directement la Bible, la Sainte Bible, est-ce que la mort lui, est vraiment divine? Et s'il est divine, on a dit normalement, est-ce que l'homme est normal directement l'autre monde dans la mort pendant ce temps que Dieu dit qu'il a moi d'être seul la vengeance et la rétribution? Et vous êtes avec nous normalement que l'émission a fait commencer. Vous connaissez normalement, dans le studio, on a détaillé le bagage de 10 ans plus tard avec nous. Et nous ne connaissons pas oublier que ça a passé. Et plus particulièrement dans le monde, nous connaissons quelques 3 jours, nous avons dit jour J, de l'installation de M. Joe Biden en tant que président élu des États-Unis. L'élection est passée le 3 novembre 2021. Même si ça a passé, son passé, tu m'as dit qu'il était proche, qu'il était derrière le Lula, mais quand même, j'ai obligé de dire que l'élection était passée. L'année passée, c'était 2020, malgré nous en 2021. Donc, on est bon slogan de Yoa, il n'y a pas question de bonne année, de bonne santé, de bonne fête, mais plutôt bon combat. Et bien, c'est bon combat,
il y a un bon combat, peut-être que Grand D-Max, du au bail de l'immunité, il faut le coller, qui fait que on a porté la meilleure dans l'élection. Bon, c'est pas monsieur seulement, c'est 80 millions plus qui gagne un combat ça. Et c'est un bon signe, mais en pile travail, c'est qu'on y a un combat pour commencer. Et moi, j'ai souhaité, toujours souhaité que non seulement les démocrates ont gagné le président, président Slan, ils ont gagné la chambre basse, ils ont gagné la chambre haute, comme ça, ils ont gagné tous les trois pouvoirs, ils ont la main. Donc, comme ça, en pile bagaille, en pile demande que nous avons fait, en pile requête que nous avons fait, en pile décision qui était sur stand-by depuis longtemps, mais pas de excuse pour ça, pour faire. Et moi-même, j'ai un bagaille qui est particulier, qui est ma cœur en pile. Que nous besoin ouais qui est résolu là d'abord c'est TPS pour haïtien hein. Dans les il y a parlé de les 100 premiers jours, les 100 premiers jours ne m'intéressent pas, moi je suis pour les 45 premiers jours pour TPS là avec pour Dakar. Donc c'est premier bagage qui pour moi. Et puis ensuite bien entendu et a bien coronavirus ça certainement a bien tout le bagage, mais il est un fait que dossier ça au dossier brûlant ça au spécialement pour moi-même en, non seulement en tant qu'haïtien mais en tant que acteur dans l'élection parti démocrate là, la participation politique que nous t'ai choisi faire aller ça, nous t'ai considéré que le monsieur Joe Biden t'ai venu visiter Little Haiti et pendant campagne, il t'ai écrit lettre ça que t'ai écrit à nous hein, ce que j'ai appelé cette déclaration d'amour qu'il nous a fait et pendant les élections et ben et pendant la campagne électorale, nous t'ai kembé document ça. Et je dis à comme c'est pas sujet, mais je veux garantir que ce document est là, il est sous tête cabane moi, dans ma velle, me fait photocopier, me mettre dans bazoyer comme pour faire de beaux rêves et me souhaiter que rêve ça yo vienne en réalité dans les 45 premiers jours de Joe Biden. Et là moi tout non activiste côté que moi demander électeur official yo zami mieux d'abord mes collègues ensuite et bon dit collègues c'est pas au niveau politique et élu non parce que parce que bon électeur official mais ils sont tous mes collègues et tous et toutes mes collègues au niveau professionnel parce que à un point ou à l'autre nous communiquer nous connecter et professionnellement voilà. Donc là Brizo ou bien d'aller faire tout plume sous dom campé là me gêta chauffer là la dit à t'aime chauffer ou elle a fait m'a saute dans oreille toute bagage plutôt faire nouvelle yo faire nouvelle parce que bon les demander pour au stack comme ça pas n'importe quatre oui d'autant plus que Brizo d'autant plus que l'autre jour là la qui ils a eu pas 100 combien haïtiens on bateau près 100 combien haïtiens là qui t'a pas quitter pays a pour des problèmes cap chercher meilleure vie. Heureusement, pas qu'il y a aucun péril, pas qu'il y a aucun monde qui mourit. So, ambassade là, mettons une note de presse. Bravo, au moins, au fond travail. Nous mettons une note de presse et dehors pour nous dire qu'il y a travail avec autorité pour repatrier mon zao. Alors, bonjour. Alors, pour bien parler, le côté, on ne peut pas faire avancer dans l'air. Quand je vous dis, normalement, les promesses qui ont été faites par M. Joe Biden ne sont-elles pas tout à fait différentes de ce qu'avait fait et l'ex-président, ou encore, on the way, président turc qui était obligé de dire que Haïti va être champion, l'année 2018, il dit qu'il était parlé, il va faire Haïti champion, dans ça que peut-être Haïti a parlé d'il, il était capable de briguer poste directement dans l'élection qui était faite avec l'autre opponent. So, ce qui fait que nous sommes là, nous comptons à ce que normalement on dit à chambre basse et autres là, normalement, les mains démocrates et aussi la présidence est tout à fait démocrate. Peut-être que Desiderata, peuple américain, mais aussi directement d'autres ethniques qui viennent aux États-Unis, plus particulièrement les Haïtiens qui directement vivent là dans la diaspora. Nous connaissons plus de monde qui directement qui a quitté dans le Job Paradise, dans la vidéo, côté que pas qu'un monde qui n'a ça bien, petit même qui a fait Dakar. Et aussi, dans sa TPS, peut-être que au moins, il y a qu'à joindre une satisfaction. Max, alors, pour l'émission, pas directement sur ça, il faut que nous passions sur une bacalité de sur cette question avec question M. Biden. Nous, pour le mercredi, si je veux, c'est jour que, nous sommes capables de jouer trois jours, côté que le bras le prend, et nous sommes capables de dire la reine du pouvoir aux États-Unis en tant que président élu et pas président en fonction. Et que M. Donald Trump, même là, il a quitté ça. Mais il ne faut pas oublier tout le monde qui était passé, qui était mis en petit problème. Dans le jour mercredi qui était passé jeudi, il faut faire 15 jours. Côté qui des FAI, qui est des centrales, crasé Capitole, à faire des autres directement dans la chambre. Et quoi que je dis là, hier, il y a arrêté un des qui sortit sur la zone Michigan.
qui apprend l'autre bois avec machine qui gagne pile d'âme, qui gagne âme, qui gagne pile mission. Là-dedans, nous pas connaît normalement qui ça va faire. Et que il y a un VI qui parle de il y a des mesures que normalement que vous devez prendre avec M. Séparatiste Sayo. M. Sayo, il est dit suprémaciste blanc qui gagne directement aux États-Unis, qui s'est passé à Donald Trump, qui t'a envie de faire des autres pour des autres de la bataille continue, mais il est obligé de faire des déploiements de plus de 21 000 National Guard qui gagne directement seulement pour capital là. Il t'a dit. Qui a pour des côtés que il y a pas le fait inauguration M. Joe Biden dans le midi 20 janvier là. Besoin c'est pas jouet non 25 000 hommes la capitale là la capitale pays à la capitale aux alentours de capitale là 25 000 hommes c'est pas tic crash non pas oublier que l'Afghanistan là voilà mais côté là c'est 5 000 hommes nous c'est 5 000 hommes il y a 5 fois plus monde qui vous défendre. Alors ça c'est un déploiement de force, c'est pour avoir une leçon pour montrer que vous pas bêtisé avec eux. Et puis m'étonner que vous gardez tout déploiement de force ça, toute détermination ça pour que monde quand même toujours camper qu'à demander est-ce que tu as supposé impeach Trump. Mon cher, comme c'est un pays des États-Unis, on est obligé de faire selon la loi. Même le monde n'a pas respecté la loi lui-même. On est obligé, au même qui représente la loi, obligé de respecter la loi à la lettre. Mais c'est en Haïti, on m'a arrêté, monsieur, longtemps. Bon, est-ce que nous avons dit normalement la démocratie n'est-elle pas aveugle? Côté que les débats qui ont passé, au moins, on t'a dit, pour qui ça, on va dire comme ça, c'est comme ça, on le fait. Bon. Quand même, ce qui est fait, nous connaissons avec 25 000 personnes, sans compter les temps, on découvre la police et aussi les réserves qui gagnent aux États-Unis, grand institution de au niveau de sécurité des temps national, un problème de sécurité qui déployé, qui a fait advance, ça veut dire wedge là, depuis d'avance, avant même que tu atteignes. Nous avons des zones qui sont des zones sensibles, qui sont des zones rouges, côté que nous avons des investigations et l'a fait le 20. Bon, normalement, ça finit, comme tu as dit, pour Tika ça, là, ça, ce côté que nous sommes capables peut-être parler de ça, on l'a dit encore, parce que ce n'est pas ce sujet à vous dire, nous obligés d'emprunter un petit temps pour faire ça passer. Nous connaissons monsieur qui a fait parler de lui-même, qui est coronavirus, il y a comme dit, vaccin qui dehors, depuis le mois de décembre, et puis à travers le monde. Mais en même temps, il y a des gens qui sont en ligne, il y a des gens qui n'ont pas accès pour le tout, il y a des gens qui sont obligés de mettre long directement dans une liste. Mais pour ça, il y a des gens qui prennent le vaccin, plus particulièrement comme dit à Oslo. Nous connaissons la Norvège, il y a 29 personnes qui mourent selon. Il faut dire, vous n'êtes pas obligé d'aller, c'est selon. Ça que peut-être l'autorité de l'OMS dit, peut-être accusé normalement et que c'est COVID-19, c'est un vaccin un Pfizer que vous prenez, qui est à la base, qui fait que vous êtes à mourir. Malgré que nous connaissons, ça a parlé de underlying disease conditions, tout le monde a fait en ligne de compte, mais il y a l'autre monde qui est obligé, qui est co-worker, qui est capable de dans healthcare workers, qui mourit de l'autre bois, et qui est accusé de voir que c'est Pfizer vaccin qui est prend, pour nous dire que contre COVID-19 qui a voulu dans le pays de Japon. En même temps, nous connaissons normalement qu'il y a des réactions tout à fait secondaires dans tout vaccin que vous le prenez, mais cette réaction encore, ces réactions-là, est-ce que normalement c'est dans le bon taillé ou est-ce que c'est pas dans le bon taillé? Il y a des gens qui ont des vomissements, des gens qui ont des nausées, des gens qui ont des étourdissements et comme d'estomac, mais ça n'a pas été qui fait que des gens qui mourent directement dans ça que vous dites directement de COVID-19 vaccin que vous prenez, particulièrement de Pfizer. Mais nous n'avons pas de preuves. Et Pfizer lui-même, il y a des gens qui sont obligés de la contrôler pour être vraiment oui, est-ce que c'est pas ça? Et donc, des fois dans la vie, nous connaissons quand on dit qu'il n'y a pas d'omelette sans casser deux, mais il y a plusieurs qui ont cassé deux pour tout à fait pour moi dans l'omelette là. Donc, parce que nous connaissons que 94,8 millions de gens qui ont maladie, selon les chiffres, nous sommes capables de dire tout à fait officiels que nous avons de l'état du monde, plus ou moins ici, avec. Hopkins University qui est là, nous connaissons qui les États-Unis. Il y a 52 millions de monde qui recovered et puis il y a 2,03 millions de monde qui mourent de maladie jusqu'à présent. Mais c'est quand même dit, c'est une très bonne note ou encore une très bonne livre qui est capable de dire dans ce côté que nous avons peut-être chacun à espérer. Dans 94,1 millions de monde qui ont maladie, il faudrait que ce chiffre soit aussi élevé, mais quand même très bas. Nous déplorons que nous qui mourions, mais nous très contents que 52 millions de monde qui guérissent.
Max, nous allons rentrer directement dans le cadre côté que je dis à la parler de peine de mort. La peine de mort, si elle est divine, qu'en est-il du sixième commandement de la Bible dans les dix commandements de Dieu écrit? Alors, comme j'avais dit tantôt, pour les croyants, et que si vous croyez que directement que les dix commandements ont été écrits, par les lois de Dieu sur les tablettes qui a été données directement à Moïse dans le mont de Sinaï, est-ce que normalement l'homme gagne droit pour l'homme la mort? Et que moi qu'on est normalement à l'appui ou gagner dans ce qu'on va parler, dans ce qu'on va dire. Et c'était un pasteur, je crois que normalement qui était venu avec ça, le fait que gagner un événement ou gagner des faits qui a fait être en Haïti, surtout côté que le kidnapping qui a atteint à Rougel, qui vient au niveau côté que vous avez pensé. Les prononcer sous question la mort, les prononcer sous question sentence, et que la peine que nous connaissons, ça a la peine, et que c'est l'ayant monde commet une infraction, selon l'infraction de peine, et que des provisions pour peine, qui t'a dit que monde ça, les commet telle infraction de tel crime, et bien, devant le juge, il prononce, il dit que monde ça prend tel temps ou tel temps prison. Nous ne sommes pas sans savoir qu'à travers le monde, côté qui est a été peine de mort. Mais il y a ça dans une controverse, et que tout le monde, auditeur, et aussi, comme dit, le monde qui a regardé le lettre sur Facebook, sur Skype, et aussi sur YouTube Live, je dis à l'ensemble qui n'a pas l'air. Téléphone qui est disponible, je dis, pour vous, capable de participer, parce que l'émission, ça, c'est directement pour nous-mêmes, et c'est de nous-mêmes qui a fait l'émission. Hein, parce que nous n'avons rien à apporter, moi-même, avec Max et aussi. Avec DJ Mo qui est dans le studio avec nous là, et que nous pouvons dire au monde pour accepter avec nous dans ce que nous avons avancé là, malgré que peut-être nous avons une position par Max, une position par et DJ Mo nous avons une position par mais nous pas venir avec aucun bagage pour dire au monde, ça nous a dit assez salier, mais comme nous connaissons les controverses, les temps tout le monde sur la terre, le noir, le blanc, le haut et le bas, le oui et le non, la vie et la mort. Où il y a la balle à lancer, Max, non, puis tout le monde qui normalement téléphone, on peut appuyer directement au bas et de leur screen qui c'est 786-633-1020, qui est capable de directement participer sur Skype, tout, si vous voulez faire avec vidéo. Et aussi, si vous voulez parler directement dans le téléphone, vous êtes capable de faire téléphone, ça va être encore 786-633-1020. Puis, on va avoir un point de vue, ça vous connaît, ça vous pensez de qu'est-ce que la peine de mort qui directement que le pasteur a dit, qui est divine. Et que vous connaissez dans la Bible a dit que tu ne tireras point qui la sixième commandement. Alors, besoin juste avant que nous entrions dans le sujet, nous voilà pour une pause, mais tout avant pause là, nous avons rappelé que demain lundi 18 janvier, c'est l'anniversaire de durant Martin Luther King. Donc, et c'est le jour Martin Luther King demain. Nous avons rappelé tout le monde que grand pile activité qui, ces dernières années, qui fête surtout des hommes sur motocyclette qui fait des groupes et qui envahit highway et de façon très dangereuse. Et il y a un pile note qui sorti par rapport à ça qui est passé mercredi 6 janvier dans Washington DC, côté que un paquet de mob supporters, M. Donald Trump envahit capitale là. Et bien, M. extrémiste, extrême de droite, ça, il y a un pile note qui sorti de FBI, de différents groupes, including the NAACP. Qui dit que NAACP qui dit que y a une information qui sorti que il y a un pile complot qui a fait pour occasion Martin Luther King ça pour ta et profiter tuer et maltraiter et même prendre des jeunes garçons noirs et en guise de initiation à groupe extrémiste ça ou plutôt juste pour tracer un exemple pour montrer mes contentements. Donc grand pile traite, grand pile parole qui parlait et ces derniers temps depuis quelque temps par rapport à activité et monsieur Donald Trump et prise de position officielle monsieur en faveur même là pas prendre position officiellement mais officieusement de par ses actions et son manque de condamnation à propos de ces groupes d'extrême droite. Donc, je suis montré que le bah, support, depuis surtout fameux et déclaration, ça que je t'ai fait en deux mots,
Mbacham Rwanda est aussi puissant, aussi fort dans la déclaration. Il pas fin trop fort, monsieur Anik Dimbo, deux mots. Monsieur dit stand back and stand down. Ça seulement, monsieur dit, il vient livrer un paquet de bagailles. Et il y a un résultat de ça, monsieur dit, joue ça. La dibeta, nous, elle là, le 6, côté que. Et je dis encore, je regarde une vidéo interne de un journaliste qui a filmé entre dedans et Capital là pendant l'action qui a fait. Quand on est dans le téléphone, cap prend cap dit mais ça passé qui ça vous fait cap prend consigne de autorité de chef lui on l'autre qui tape d'une police tape parlant police dit police ça soit là pour rien plutôt quand même pas entrer in between nous parce que nous gagne 8 millions de monde là qui là cap vient tout partout cap vient là la police là finalement t'es un petit jambon c'était passé c'était quelque chose de programmé en fait, très programmé très programmé très planifié enfin une bagarre que me connaît faut sûr que FBI pas bon ici là a fait investigation et a fait investigation bien il a fait le propre et dans pile monde en pile monde qui va le prendre code en pile monde va le show en pile monde va le pour répondre surtout les gens en pile monde m'a parlé même de des hommes de loi qui la chambre dans même le congrès qui à un point ou en l'autre participer l'activité sans planification ça nous qu'a dit d'abord parce que j'ai voté contre et nomination ça c'est une qui prouve que yo fait partie de la donnée deuxièmement gon série de tours une série de visites et 2-3 jours avant 6 là qui t'a fait dans capitale là alors que capitale là t'est fermé au grand public donc nèg ça bypass fermeture ça donc un pile petit bagage beaucoup de vidéos qui va écouter que yo montrer nous bon policier qui a qui a pour elle comme des gars qui ont tiré dans le cardio pour monsieur pour alors pour vous faire ici rentrer pendant ce temps il y a des policiers qui normalement vous connaissez pas l'agent visé et qui fait comprendre que il était prendre des mesures depuis l'avance côté que il pas accepté les mouvements rentrer mais il y a des nègres normalement qui t'ai gagné des choses tout à fait préparées comme il pas allé directement puis dit c'est tel pour la sécurité des investigations qui menait avec des vidéos. Oui, vas-y. Il y a des vidéos qui gagnent, comme on dit, aux alentours de plusieurs boutiques. Parce que tout le monde est normalement à son côté qui est vraiment contrôlé, qui est vraiment bien gardé devant ces capitoles-là. Il y a des photos de monde qui gagnent avec qui monte dans l'affaire, mais qui t'a pris une photo, qui t'a obligé. Il y a eu directement un jour côté paquet de monde qui est débarqué dans la capitole-là. Mais des policiers. Et même, il y a des lawmakers qui ont des investigations de ça qui fait là parce que bon bagage qui tout à fait était à max. Oui définitivement donc il avait investigué tout bagage ça et nous connaît que nous avons confiance dans FBI il a fait investigation. Bon question que je dis à me regarder nouvelle tout parce que chaque matin chaque dimanche matin me fait nouvelle pour connaître exactement état dans sur trend là of the news pour exactement qui des bagages à partir de ça nous en dehors de ça nous collecter toute semaine là qui dernière information que nous apporter pour auditeurs nous capter nous venir là et gain directeur mon qui responsable DHS là et Washington Homeland Security côté que et il était posé monsieur question pour entendre monsieur c'est Homeland Security qui en charge sécurité et Capitole là jour et inauguration maintenant est-ce que c'est pas une controverse que lié dans le sens que et c'est président qui en charge Homeland Security. Donc, il y a doit demander Homeland Security pour participer, venir by support et pour protéger Mounio. Et puis, le président dit non, pas faire rien, stand back and stand down. So, est-ce que vous posez M. question directement? By the way, vous êtes obligé de M. poser question deux fois pour le débat, une réponse claire. Vous demandez M. est-ce qu'on va suivre l'autre chef ou président, s'il a dit pas déplacé, pas faire rien, ou bien on va suivre autre côté de la Constitution, côté prêté seulement pour défendre la Constitution. Finalement, après deux fois que la question a été posée, monsieur dit qu'il a fait travail constitutionnel, il a défendu la Constitution. Alors, monsieur Didier Mo, Mabdou, bonsoir, ou avec nous là depuis quelques minutes. Et monsieur Dame, nous salue. Monsieur Didier Mo. Je salue tout le monde. Je suis un petit peu de travail, un petit peu de travail, je suis un petit peu de changer. Même là, quand même, je salue tout le monde, amis, familles, supporters, mon monde qui aime regarder les choses. Dans une nouvelle bonne partie que nous devons faire, stand by. Alors, stand by. Yes, yeah, stand by. All right, merci, Mo. Et nous voyons une petite pause, Mo, une petite musique. Nous avons une petite pause et puis
Ensuite, nous allons entrer avec partie sujet émission pour aujourd'hui à la. Et nous allons entrer là-dedans. Mais juste avant, je vais rappeler nous encore une fois, demain, c'est jour Martin Luther King. Et c'est Martin Luther King Day. So, prenez précaution nous. Et si nous ne pouvons pas aller au travail, nous allons aller là nous. Profitez pour un petit peu pour rester là nous, pas sortir. Et si nous avons des petits teenagers, jeunes petits monsieur, c'est vous qui avez choisi juste ça pour ne pas faire sortir. Mettez là nous, faites un petit break. Pour une méditation, garder ce qui a passé, on peut réfléchir sur ce qui a passé, et puis garder qui j'en ai évité que ça ne soit encore dans l'histoire, et les tabous en pile. Allez, monsieur Mo, n'a pas de pause. Allez, c'est Nabdi Mano Charlemagne de Regretter Mémoire, merci pour musique ça, et nous changer pour ça. Eh bien, voilà, et nous allons entrer dans le sujet nous là, aujourd'hui là. Un sujet qui parle très controversé, m'a dit nous ça d'avance. Et ça fait sans m'expliquer nous ça qui passe. Nous allons jouer. C'est une vidéo que vous voyez bon, moi, sur les réseaux sociaux. Côté que mon pasteur, malheureusement, par contre, mon pasteur, essayez de m'encourager, mon yo, le chercher en vidéo. Mettre un petit détail, un petit description de qui est ce monde. Et ça, mon abdi. Un petit commentaire, un petit bail pour illustrer. Photo ou bien vidéo que nous avons avant ça, bah, plus d'informations. Ben son pasteur qui t'a parlé de situation pays, comme dit exactement qui contexte que monsieur le dit, ça le dit. Monsieur t'a parlé de situation qui a évolué en Haïti avec tout désordre ça a fait là, tout crime ça a fait là, tout kidnapping ça, assassinat ça a fait. Donc monsieur dit que un pays, un état qui a désordre comme ça, c'est par la force pour contrecarrer les autres sao et que t'as supposé qu'il y a la peine de mort. Bon, parce que si des bandits apprennent que l'elfe en bagarre aucun bandit tout y a tout il peut-être la mettre de l'eau dans du vin en fonction de peine qui était allée maintenant. Même je suis annoncé tout, je fais prendre des versets dans la Bible là pour justifier ça le dit à tout et pour montrer que la peine de mort c'est un bagarre qui une décision qui divine. Alors là, ça a attiré l'attention moi-même. Et monsieur Daf fait tout. Monsieur Daf parlait de constitution. Hein. Monsieur Daf fait un parallèle avec la constitution, les démarches qu'il a fait pour amender ou plutôt éliminer l'ancienne constitution pour mettre un nouveau. Donc monsieur Daf parlait de hypocrisie, de toute qualité. Nous allons passer cette vidéo, nous allons comprendre le plus. Maman font tirer à l'événement venir pour nous faire comprendre pour qui ça que l'été attire l'attention. Moi, je pensais que faut nous font parler sur lui parce que pour qu'il passe dans la tête, moi, monsieur dit que la peine de mort est divine. Pour qu'il passe dans la tête, moi-même, c'est que si la peine de mort est divine, qu'en est-il du sixième commandement et de 10 commandements Moïse qui dans la Bible tout qui dit tu ne tueras point. Alors là ça c'est une partie là et des dossiers ça que me plaît que nous parler aujourd'hui là nous allons parler de lui mais entre-temps tout c'est là que moi même mon petit Jean beaucoup plus qui j'aime dire ça là et impertinent non sens c'est parce que nous t'a parlé et l'état il fait parallèle là à constitution hein, côté que l'idée d'actualité que nous on en Haïti. Président Jovenel Moïse veut faire un référendum là, plus haut tard, et éliminer la constitution de 1987 là, pour créer un autre, pour venir avec un autre tout neuf. Alors là, nous avons demandé que dans toute constitution, il y a toujours des amendements à la constitution, au côté que, il y a des articles qui parlent de taille encore, il est obligé de rectifier, il est obligé de ranger, il est obligé d'éliminer, ou bien changer, pour mettre beaucoup plus à la mode, pour être capable, avec la vie de nos jours là, pour le cas plus attrayant ou pour le cas plus fonctionnel dans le sens. Donc, je laisse à m'en regarder, m'en demander, est-ce que la Bible t'a supposé un document solennel dans le sens que ça lié c'est ça lié et universel, qu'on pas qu'à moyenne. Est-ce que la Bible t'a supposé, même genre la constitution dans, qui est sociale et politique, est-ce que la Bible lui-même pas t'a supposé une constitution en lui-même, mais plutôt religieuse et sociale, côté que bien sûr l'État pas il a supposé faire pour l'adapter à une communauté, un pays, pour des bagages bien spécifiques qui ont un rapport avec pays ça, avec communauté ça, parce que l'État a un bagage, un document que il a imposé à tout le monde qui a une vie différente, d'autant plus que la Bible est écrite depuis des années.
et les choses ont changé, en pile bagaille évolué et nous avons plusieurs exemples et là m'a quitté débat a commencé, là nous commence à parler li m'a vienne avec deux trois exemples, même m'a pas averti nous depuis d'abord depuis qu'on y a là, gien des monde qui ca content, gien des monde qui ca fâché, gien des monde qui a rien contre avec pour ça, mais m'a expliqué nous un bagaille que nous comprendre ça nous comprendre. La Bible et religion c'est son m'a pas dit un bagaille mais son croyance que lié c'est ou bien quoi ou bien pas quoi ou quoi ou bien la foi ou prendre Jean ou Baoula et pour quoi la dame sous pas quoi tout ou bien à poser toute qualité question pour gagner et ou mettre et approche pas ou understanding pour la dame donc un catholique moi je suis né catholique il est enfant de cœur pauvre les quoi ou pas les quoi il est enfant de cœur donc moi passer toute étape ça ou son bagage que on impose ou du meni ou quoi la dame même Jean quoi dans tonton Noël et puis c'est fini. Maintenant, si vous voulez questionner le monde, alors commencez à comprendre ce questionnel, ça c'est problème bon. Mais en tant que chrétien, et ou à quoi, ça au jour là, Jean ou Baoul là, et puis c'est comme ça que, en pile bagaille dans la Bible là, vous pouvez trouver ou la donner, cap et d'où l'envie ou qui adapte. Mais comme ça, tout ce questionnel, ou à questionner en pile bagaille dans la Bible là. Alors, je vous dis à la, nous voyons jouer vidéo, hein. Je vais vous donner sous les fonds, petit commentaire d'introduction, avant que le temps que vous préparez la vidéo, vous jouez. Et monsieur Didier Mo, you welcome too. Et by the way, si nous tous les deux avons parlé dans l'émission, nous voyons sur la caméra sur nous deux. Ok, monsieur? Définitivement, nous là, c'est pour parler. Et nous là, pour nous poser des questions, nous là, pour nous donner des questions pour avoir certaines réponses. Alors, le fait que nous parlons de science infuse, pour nous dire, dans ce cas passé, nous avons quelque chose à faire. Et c'est suite, nous capable de dire, à ce qui a passé à Haïti, plus particulièrement au niveau de kidnapping. Côté que lié à la hausse et que pasteur a ou encore homme de l'église là il faut dans ce sens là côté que peut-être certains monde qui est capable de dire ou pas capable d'attendre que il y a un monde comme ça qui est capable de dire des choses même les quand que nous connaît dans le temps qui passe aussi il y a ce qu'on appelle la loi du talion qui était gagné c'était un pour un dans pour dans côté que l'œil au crime fait c'était directement à la population de prendre les mesures ou le verdict et que nous passons savoir que ça nous parle de crime qui s'est lié c'est dans la définition ici un bagage que reprocher yon moun selon l'infraction de peine côté que dans ça qu'il fait il aller à l'encontre de la loi et c'est comme si le ça que il enfreint la loi même les quand qu'il pas bien loi qui existait bien avant même que tu as dit ça il était toujours là dans la caillou moun ou travail que sous frapper un monde ou violon bagaille dans l'espoir côté que tu font pour qui bagaille qui mal il est vrai que pour les croyants nous connaît que le roi qui directement découlé depuis la nuit des temps dans la Bible dans la langue arménienne bien que aussi directement en hébreu et aussi en grec côté que il relate directement dans plusieurs livres que ou pas doué touyer mais en même temps tout je sais pas comment dire est-ce que il y a une application qui fait exact de ce qui est écrit dans la Bible ou dans les Bibles ou dans divers livres qui écrit des droits qui dit que on parle pas de mais quand même ça fait c'est comme on dit on parle de mon vidéo à l'appui pour montrer normalement les droits que ça monsieur a dit c'est pas nous qui a parlé li et c'est à public là nous dire là pour nous bâtir dans l'Ancien Testament la loi du talion que nous y est et que on n'est pas trouvé. Je dis à la haine, nous devons connaître que l'homme qui fait des choses, nous devons faire des choses, obligé de mener la police, et quel que soit le pays qui est obligé là, c'est à la justice de nous prononcer, c'est pas mon conseil que nous prononcer sur une infraction que nous commettons, et qui est capable de prendre une telle sentence. Mais comme sujet là, comme dit la peine de mort, puisque les divines, est-ce que Dieu, dans tout pouvoir, ou est-ce que nous parlons directement avec homme de loi, ou les responsables de la terre, pour dire ou gain droit tout hier parce que puisque dans la Bible dit Dieu a prêt parmi dans 10 commandements qui c'est 6e commandement oui alors en entendant ensemble nous allons jouer vidéo ça le pasteur et puis ensuite nous allons retourner pour nous faire et commentaires pour nous ouvrir des débat dans ça allez entendez prononce des jugements proportionnels au crime commis si crime non pas joindre en justice qui proportionnelle à lui, crime n'a pas besoin de suspendre. Un pays qui retire la peine de mort à la Kaili, c'est un pays qui est condamné pour vagabondage, dévorer,
Les papes jamais, parce que justice pas jamais capable d'établir dans le pays. Je dis à tout le monde à parler de nouvelle constitution en Haïti. C'est le moment pour prostitution, ça. Constitution 87, la démenée, ben nous en suspens. Ou à kidnapper le monde. Exode 22, verset 20, très clair. Au monde qui kidnappe le monde, au monde qui viole les filles, au monde qui séquestre le monde pour revendre, la Bible condamne à la peine de mort. Depuis dans Genèse, nous lisons ça. Si par un homme, le sang d'un homme est versé, par un homme, son sang doit être versé. C'est la dispensation humaine. Le gouvernement humain. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Allez, voilà. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. C'est gros bagaille, campagne, des gros mots. Donc, là, ça veut dire que moi-même, si je me regarde, je suis allé dire que l'État censé gagner un amendement à la Bible. S'il dit que la peine de mort est divine, la peine de mort est, c'est un commandement de Dieu. Donc, ça veut dire que le commandement de Moïse, là, lui-même, il a supposé changer, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de prise encore, parce que ça, et ça lui-même, il vient imposer. C'est obsolète. Oui, l'absolu. Donc, vraiment, parce qu'il n'y a pas gagné deux directions contradictoires dans la Bible. Donc, là, ça vient de mettre une petite parenthèse de ce côté que je fais. Hein. Est-ce que la Bible va la supposer écrite pour des communautés bien spécifiques, des pays bien spécifiques, en fonction de ce qui a passé dans le pays, l'époque ça, et puis l'époque l'a changé, et puis au fond, amendement, il a changé. Il y a des bagailles de base qui ont toujours existé, mais cependant, il y a des petits bagailles qui ont changé. Un bon exemple bien simple, il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non, il y a des gens qui ont dit oh, ou pas supposément la Bible, c'est la Bible. Mais, je vais rappeler mon tout, avant que nous venions parler, faire réflexion, il faut comprendre, il y a l'Ancien Testament, t'es gain le Nouveau Testament. Donc si t'es gain ancien, t'es gain nouveau, ça veut dire que nouveau pas qu'à venir, c'est juste on livre tout neuf, il fait prêter les mêmes bails dans la donnée. C'est ou bien son l'autre photocopie que lié, mais livre ça a pis neuf et il y aurait le nouveau ou bien gain des données la donnée, gain des écrits la donnée, gain des bagages la donnée qui pas gain l'ancien ou gain bagages l'ancien qui pas gain le nouveau. Donc en quelque sorte, gon un amendement quelconque, alors, changement quelconque. Et corriger ou revu et recorriger. Rele le jeune, le brezo, rele le revu et corriger, rele le nouveau modèle, rele le point 1.2, point 1.1. Rele le jeune, le fait c'est que gon te gon nécessité historique en quelque sorte. Parce que le fait une raison bien spécifique, une époque bien spécifique, qui était demandé à certains changements de l'ordre, de l'ancien ordre de déclaration qu'elle a donné avant. Bien avant que vous commencez avec l'émission, ça, comme moi-même avec vous, nous toujours dans l'antichambre, et aussi avant même que nous venions dans le studio là, nous toujours après ce débat par nous personnel, à manger, à boire. Et n'a discuté parce que nous pas arrêter capable dans un état statique, il faut que nous avancer parce que c'est soit qu'il a passé le débat. Et nous gagné une discussion capable dit ça gagné deux jours de ça avec mon ami moi. Plus particulièrement sur ça, côté que il a mangé à côté à prendre avec vous. Et les propositions sur ça on va parler notamment côté que de avec la Bible qui c'est n'est-elle pas une constitution notamment pour l'homme. Et que nous avons une constitution de demande dans tout le pays, nous avons des lois, nous avons des polices, nous avons des policiers, nous avons tout le monde qui a un règlement, côté que des fois, si pas marché, nous avons arrangé nous. Et plus particulièrement, on n'a pas eu de demande de peine de mort, là, qui c'est une loi qui est, qui est capable de dire, qui c'est ôter la vie de quelqu'un ou la vie d'un animal ou d'un être. Nous pensons savoir que dans l'Antiquité, normalement, et que nous sommes capables de dire toute décision est prise par le peuple, le fait qu'il est capable de bagarre qui vivait dans la société. Là. Dans Deutéronome 35, côté bon Dieu lui-même, non, je parle pour les croyants, côté que je parle, il dit que à moi seul, la vengeance et la rétribution.
Si Deutéronome qui fait partie de l'Ancien Testament, côté que lui parlait de à moi seul la vengeance et la rétribution, et nous dit, pasteur, lui répéter côté parler depuis la Genèse des choses. On te dit que le jour que vous mangez la fruit, ça va mourir, ça vous connaît dans la Genèse, côté la parole de demande de Dieu à être qu'il te fait entrer dans Eve et que vous mourrez. Est-ce que c'est ça qui est la peine divine ou c'est la mort tout court? La peine de mort qui est tout à fait différente pour moi, côté que c'est prononcer sous statut, sous genre, vous comportez dans la société, nous avons une façon comme on était dit au préalable, mais à savoir que l'air prend verdict, la Bible dit que c'est soit c'est emprisonnement ou bien mort. Dans les temps passés, plus particulièrement, soit parlé dans l'Ancien Testament, le haut des jeunes qui étaient obligés de faire ça, un garçon qui a compris le jeune qui a activité qui passa avec un fils de roi pour les deux, il était lapidé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé avec le plus particulièrement pour te lapider, ou c'est plus particulièrement de lui-même le fait que l'on a été écrit, comme on se dit tout à l'heure, avec le Nouveau Testament, que voilà, toutes choses sont des nouvelles, ça a été déjà passé encore. Lévitique 20, verset 13, côté le balai, côté le dit tout avec sur l'homme, Dieu dit, à travers la Bible, c'est qu'il est écrit que si un homme couche avec un homme, comme il couche avec une femme, ils ont fait une chose tout à fait abominable, et ils seront retranchés et leur sang retombera sur eux. Il y a peut-être pour moi certaines contradictions que vous êtes capable de mettre dans la tête de Dieu et que le fait que vous dites que vous parlez de la tuer, c'est ça parce qu'il a dit, pour me retourner à la discussion qui me dégage en disant, je dis, monsieur, dans ça qui parle de l'émission, hein, tout le monde a sorti satisfait dans le débat, ça veut dire. Et que il parle avec moi de la religion, je me dis, comment on a fait? Je dis, monsieur, oui, pas bien raison, ça va bien parce que pas de bonne raison. Ma bonne raison qui fait que même m'a dit, tout le monde qui a tant d'émissions qui a regardé là sur tous les réseaux, moi-même, je dis que tout le monde a pu me sentir satisfait. Parce que, on dit, max composition, côté que nous avons dit, tu as amendé la Bible, même j'ai amendé la Constitution, côté que si j'ai amendement qui parle de tu vas voir, là, et que nous avons dit que face à ça qu'a fait, nous avons obligé d'adapter nous à la réalité de toutes les choses. Et que moi-même, ma proposition me dit, non, dans la Bible, on dit que tu ne dois pas tuer. Tout le monde qui fait partie de groupe que même moi dit, qui respecte la Bible, qui comprend, qui dit que c'est croyant, il croit dans ça, il a trouvé d'accord avec moi. Et tout le monde qui campait derrière Max, qui accepte d'être moi que ça va se dire, tout le monde est d'accord, mais nous garder dans l'ensemble, tout le monde est d'accord. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec le point de vue, pardon, tout le monde n'est pas d'accord avec le point de vue pour la Max. Mais tout le monde a sorti d'accord parce que nous-mêmes, mon point que qu'il a accepté dans ça qu'il dit, et bon, tout le monde qui a campé derrière nous, qui a accepté dans ça qu'on dit. Je connais ça, Didier Mou a dit directement concernant ça, et que la peine de mort qui est la dit de la paix divine, et que et ça nous dit le sixième commandement, et que vous dites, on va le tuer, est-ce qu'il paraît en certaine confusion? Malgré que là, c'est tout le peuple, mais pourquoi je vous rends un mot? Oui, je ne peux pas dire vraiment, parce que je vais faire une recherche, je vais vraiment, j'aimerais supposer les pires. Excusez-moi, mais nous connaissons moi-même toujours là. C'est pour me donner la vérité. Alors, Didier Molo, situation difficile. Quel que soit le saldi là, l'ami quoi, je dis là, l'abdomen de la machine là, soit. Quel que soit le saldi, quelle que soit la position le grand, l'abdomen de la machine là, soit. Parce que, et monsieur Loncaille, côté que, moi-même, je me demande si c'est avec nous qu'on s'allait là, parce qu'il met une petite toile, sous terre, on voit, son l'église, ce qu'elle a. Donc, Didier Molo, et faites très très attention à ce qu'on dit là. Souvelez mon bouteille de l'eau, mettez de l'eau dans le bouchon. On pas obligé de parler. Non, mais avant que moi te un papa, un mari, quelqu'un, de un monde, de un croyant, ce que ça veut dire. Il est vrai, il y a quelques temps là, surtout avec le virus là. Il y a quelque temps que je ne vais pas rentrer dans l'assemblée de ma religion, mais nous faisons une prière par nous, on l'a fait, nous. Il protège pour vous, vous pouvez avancer là-bas, parce que c'est une petite. Je ne vais pas faire étude avancée. Non, mais
Ce pas que je pense à refaire, moi ça a retourné l'église, j'aime bien l'église, parce que je suis un gars qui grandit l'église, de voir l'église de vendredi à dimanche. Alors, on est, vous savez, moi, je ne suis pas obligé de mettre des sujets à côté, je n'ai pas l'église pour le programme, parce que c'est pas un lieu, je suis un lieu fait comme ça, je vais pas aller pour obliger de faire la bénédiction, ou encore à chercher un bagage qui nous gagne, ce soit pour corriger mon nom. Parce que l'église, ça, c'est un bagage qui est compliqué, donc on est obligé à l'assister pour l'assemblée. Il va contraindre mal l'église, il va forcer mal l'église, volontairement de bonne place. Mais c'est pas très bon, il va forcer le pousseau. Non, non, volontairement, moi, c'est qu'on le veut mal. C'est parce que, c'est maintenant, il était à 26, qu'il y a une dégonflation avec lui, il était vraiment close. C'est un dégonflation du jour, une jala, quand il y a eu le week-end. De vendredi, nous, vers sabbat, et puis nous allons à l'église samedi, et puis tout ça. Nous méditons tout samedi. Pas de problème, non, c'est adventiste du Jésus. Non, pas non, adventiste. C'est ça, nous, religion, parce que nous sommes croyants. Ok. Bon, bon, parce que nous sommes croyants, nous prenons bon Dieu, c'est une série. C'est pas une religion fixe. Bon, oui, normalement. Mais moi, moi, personnellement, moi, je suis catholique. Alors, faites dans l'église, une fête catholique. Oui, une fête dans l'église catholique, moi, je suis catholique, pas des catholiques. Une fête dans l'église catholique, une habité, non, car est chrétien. Alors, par imposition pour catholique là, ou c'est juste. Non. Et puisque je ne vais pas pousser à l'église, je ne vais pas traiter à l'église. Non, il n'est pas pousser. Je suis catholique, comment faire catholique? Mais est-ce que c'est le vous comme ça? Pour accepter vous, ou bien c'est quoi, n'est-ce pas moi? Vous comprenez? D'accord. Vous suivez la boule aussi, amour? L'hostie à l'amour. Mais pas de jeune, je viens du vin, c'est le cadre du vin. Il faut faire la plus à bout. Il faut seulement la caméra, je suis une joie, c'est une barre du vin. Ok. Donc, oui. Tabou, je vais vous dire, c'est comment? Si la peine de mort est divine, qu'en est-il du sixième commandement qui dit tu ne tueras à point? Ok. C'est ça qu'on a ajouté dans tout ça, nous dit là. Il n'y a pas de bouffe pour avec. Il n'y a pas de bible. Ça a le choix de dire. Ok. C'est selon. Comme je ne suis pas. Je ne sais pas, mais il n'y constitution, la prostitution. Non, alors, la constitution qu'elle dit, comme ça parle. Oui, l'affirmation. La constitution, N'Gandou, n'a jamais été de mise. Côté que, est-ce que nous avons utilisé la constitution pour le bien-être du pays qui fait que le panier de constitution, son vocable qu'elle utilise, oui. Donc, elle dit ça. Mais il est, monsieur fort, dans ça qu'elle a dit, elle connaît la panier de constitution catégorique. Non, mais monsieur, au cas où, monsieur, il connaît ça. Non, c'est son nom qui savait, c'est son nom qui savait. Oui, c'est ça qu'on peut faire attention. Bon, oui, je vais donner toute prêche là parce que son nom contre la dire. Alors, faut me dire donc que, mais d'accord. Avec monsieur à 100% l'on partie de sa dire en ce qui a trait à tout crime et supposé avec peine supposée proportionnelle à crime. On entend le tout sur l'état que pays a il a vraiment nous besoin des peines et qui beaucoup plus fort et sérieux et qui a contrecarré crime yo cap fait là parce que les crimes va dégringoler parce que pas gain justice. Moi même personnellement et bon, pas ta dire ça dans micro, but moi je suis pasteur, grand pile monde est supposé mettre sur place public fusil. Mais non, on pas du bagage qui ouais, même ça m'a de là que capable de défendre la Bible ça que même en croyant tout. Mais pas du bagage qui grave là, qui fait capable de ça. La Bible dit qu'il est tout à fait ecclésiastique aux États-Unis. Les États-Unis, le monde va choisir. On va donner n'importe quelle religion pour vous, ou bien doit choisir le monde contre la Bible. Mais les choses sont pas vrai? Oui. Est-ce que la prostitution dit ça? C'est là, pas là-bas. Et si je ne parle pas là-bas, je parle plutôt à vous. C'est là, n'est pas là-bas. L'homme dit que. Ok, ça veut dire que. Parce que la raison fait que il bring up la Bible, et parce que c'est un monde évangélique, là, que il y a lui-même. Outre avoir, d'accord. Mais il va gagner public, il va gagner voir avec la Bible, selon la constitution du pays. Oui, ici, United States, dans le pays, il y a 50 États. Il n'y a pas tout État qui utilise
peine de mort. Oui, parce que normalement, chaque gagne une propre loi, pas yo qui gagne, qui y régit, qui y agit directement. Parce que ça fait que c'est l'État qui unit, chaque État directement, il y a un propre à faire pas yo. Longtemps, l'idée est chaise électrique, mais qu'on a ce little injection que vous faites. Parce que chaise électrique, elle est vraiment merci. Il y a une drone dans le bras. Vous parlez de ça. Côté mon âge, côté mon sous chaise là, alors qu'à la fois, peut-être que à chaque fois, c'est horrible, soit qu'il y ait manqué mon âge là. Terrible, il est plus nasty tout parce que le plus souvent, brain on a comme sauté dans les oreilles. On a regardé Green Mice, qui nous connaît normalement comme un paquet de boîtes qui j'ai fumé ça. Il était vraiment, vraiment cruel. Alors, c'est peut-être au moins, on a dit, ça qu'a fait là, là j'ai envie de la mime aussi, souvent, bête qui gagne, même les bêtes à temps, bête qui féroce, on va qu'à tuer horriblement. Sauf voir pour un homme, que vous obligez de croire dans les peines de mort pour tuer la chaise électrique côté qui brûle bien passer dans un oreille, c'est pas ça. Alors, vrai bagarre là, c'est est-ce que moi-même, pour me demander Max, nous avons le droit de mourir dans mort parce que, bon, controverse qui directement qui paraît en dans le là. Ou encore, nous avons dit, il y a un bagarre qui passe ça. Parce que, Bible, peut-être Bible là qui écrit de façon étymologique, la traduction de mots, de lettres, ou encore de texte ou de contexte qui était longtemps par erreur, par défaut, définition pour ça, pas sorti exactement ça pour ta sorti là, qui fait que dans traduisant que la mort est divine, que tu peux pas le décider au moment que tu vas pour un vivre côté avec la venue de Jésus-Christ, comment c'est dans Matthieu, dans la Bible que nous avons procédé jeudi là, qui parlait que nous, et si on fait des bagages, on va vivre le visage, on va vivre le calope, on va vivre le visage, on va vivre le calope. Mais alors que c'est des formes quelconques liées, donc on est dans Romain tout, il dit ne vous vengez pas. Ça veut dire que, il y a des bagages qui vivent côté de Dieu, c'est venger. Est-ce que mon Dieu lui-même dit pas le nous à vous, parce que dit la main à vous, c'est peut-être ça qui est obligé d'être dans la discussion jeudi là. Oui, mais. Brezo, son question va poser avant de nous remettre en micro avec Max. Comment est le système bon, par contre, vous voulez parler de background. Non, background est caché. Vous êtes un découvert. Background est caché. Non, background est caché. Ou même comme un ancien garde policier. Pourquoi ça c'est policier, tu vas dire, on va pas aller par exemple comme policier. Parce que si ne faut pas, on y a. Mais si c'est volé, MD, ou pas c'est policier, c'est volé, va. Oui. Ou d'accord, Max. Oui. Ok. Alors on vole pas, donc c'est volé, comme policier qui a quitté. Ouais, parce que bagarre Max, ancien journaliste. Bagarre ancien DJ. Mais pour nous, bagarre bizarre. Les son ancien volé, avec une sénateur, va y aller ancien volé, encore jusqu'à les sénateurs. D'après vous-même, bonne opinion, est-ce que vous n'avez pas pensé que même les que pas bon loi qui dit que si on commet un crime grave en Haïti, que vous êtes responsable pour tuer. Bon, non mais, question de fond, je suis que c'est toujours au fond. Pas bon telle loi en Haïti, d'accord, ça. Mais ça veut dire que est-ce que c'est impossible de la bon, on a que pas bon loi. Et tout pays qui a marché, comme on a capable d'où, il a reposé trois roches du feu sous sa gueule, la loi. Oui. La loi mère de pays, plus particulièrement en Haïti, il y a une constitution qui nous gagne. Quand même, nous avons une constitution de 1825, nous avons toute constitution qui passait, mais dernière constitution qui nous gagne, c'est celle de 1987, amendée. Mars 87, nous avons amendé qui fait certaines choses qui fait en 2011, mais ce n'est pas la constitution dans tout l'ensemble qui a été tout à fait amendée. Mais il y a certaines lois où nous avons été obligés à bouger, côté de obligé à agir. Toute loi qui fait par l'homme, capable de graser par l'homme, qui réagir par l'homme. Moi, en tant qu'ancien policier actif, puisque je suis actif, moi, j'étais là une institution qui était pas là côté que servir pour vivre. Normalement, policier peut gagner un bâton, il gagne une base, il gagne une guépille, il gagne des armes, sur le tout, que en se défendant, bien nous, je vais utiliser le mot, m'obliger à aller avec ça qu'il y a, en se défendant, mon c'est peut-être ces bâtons qui balayent. Pour mon qui a avancé sur moi, nous n'avons pas de bâton, dépendamment de côté de moi, oui. Qu'on est assez par bagage d'abdou, des premiers dans le fait. Ou encore, le fait que les armes vont côté, qu'ils soient le bal fond, pour les mouvements dans des guillemets. La loi dit que si on a côté à tête à violent monde, on a défendu,
premièrement capable de ça une légitime défense puisque capable de pas de côté directement dans la Bible de faire une légitime défense. Et loi qui dans pays me dit moi pas capable touyer yo monde, moi pas gain droit avant tout, c'est pas capable donc capable mais pas gain droit quand même. Aucun monde pas gain droit touyer que si peut-être condition s'il pas réuni côté que si on vous voulez atteindre à vous pour que ta défense donc que vous. C'est qui fait que la police comme Abdou, la vraie police, la police ne tue jamais que peut-être yon individu dans la police là, li choisit personnellement lui-même, li font action tout à fait isolée, ça fait lourd. Et la responsabilité est personnelle quand on est policier. Soit le font action pour aller ton monde, c'est obligé de avoir le bon amour. Gagne des investigations comme le mener, puis on voit comment va arriver, est-ce qu'on est obligé d'Abdou, qu'est-ce que ça veut dire, et préméditation qui fait. Est-ce qu'on est content de monde ça? Qui est le monde qui est le monde qui fait pour qu'on les aboutisse? Ou pas de bloc parce que les amis, c'est l'ultime bagage qu'on a utilisé lorsque les policiers, si peut-être pas arrêté, si vous êtes au moment. Moi-même, en tant que policier, je ne pas de ça. Alors, monsieur, excusez-moi, il faut me rappeler que auditoire là, que ligne téléphone là, elle est ouverte, nous carrément, là, 786-633-1020. 786-633-1020. Ou bien si nous pas mal, nous voulons faire live, nous voulons côté, nous voulons faire nous paraître, nous carrément sur Skype. Faut nous Skype, nous carrément sur Skype, c'est le même numéro pour nous faire une vidéo chat. Mais si nous voulons voir seulement, 786-633-1020 pour venir parler avec nous, venir expliquer nous qui j'en ouais et la peine de mort là. Si son bagage qui est divine, relié et que la Bible a justifié le crime, mais peine de mort, dans le sens qu'on doit tuer un monde pour des raisons bien spécifiques. Que Bible a spécifié. Mm-hmm. Et maintenant, est-ce que il va supposé amender sixième commandement hein, mm-hmm. qui dit que tu ne tueras pas. Donc là, c'est là que moi me camper, c'est la position ça que me prend et c'est là que moi dis que nous va rien compte avec parce que n'a posé question ça. Et m'a rappelé nous tout que le sens que nous voilà là, le débat, c'est que me penser que constitution ou rappeler les constitutions, Bible et t'as censé écrit moi-même moi crois que Bible a écrit pour une période t'es écrit dans une période bien spécifique pour identifier des mondes pour des mondes bien spécifiques pour parler de bagages bien spécifiques et bon peine de mort les divines l'ensens oui comment est-ce que composition qui peut être tout capable prendre et composition qui m'a prendre ma proposition personnellement par exemple Bible pour moi-même pas écrit longtemps bien déterminé qui était capable de demander amendement. Je vais expliquer ça pour comprendre et ça pour vivre. S'il parle de dire que moi seul la gloire en tant que Dieu, ou pas qu'aucun monde qui est capable de faire ça, même est-ce que je dis à la gloire amendement qui fait peine, ça sert pour obliger ta gloire. On l'a Dieu gloire. Alors je ne parle pas la voix que vous devez croire dans mon Dieu, ou vous devez croire dans Dieu ça, malgré vous la connaissance. Soit d'après. Non, mais Brésil, moi-même personnellement, je crois là en créateur. Non, on croit en créateur, mais cependant, l'homme dit que il y a des bagages qui étaient amendés, même la constitution, par exemple, on y a là monsieur Jovenel Moïse voulait éliminer constitution 87 là pour créer un autre, mais contre idée ça. Certainement, toute constitution toujours une place pour faire amendement à des articles pour qui pour changer, qui pour améliorer, qui pour Alors, il y a une manière de faire justement de ces choses-là. Quand même dit que alors oui. Pas maintenant, oui. Vous capable peut-être prendre des marches là, vous pas compte que si vous êtes capable de gagner et soit une nouvelle constitution. Voilà. Pourquoi non, mais pourquoi une nouvelle constitution? Parce que c'est pas toute constitution pas bon. Voilà. Qu'est-ce que bon yo? Et application qui est pas fait. Oui, qu'est-ce que bon yo? Changer ça pas bon yo s'il le faut. Mais même là encore, une façon pour faire la constitution lui-même, les doux qui j'en vous faire. Donc, comme pasteur l'a dit, c'est plutôt la constitution, dans le sens que, yo serve à elle selon j'en ouvre, j'en ou besoin, yo aurait les articles qui intéressent, yo aurait retiré j'en ouvre. C'est ça que nous vivons là, pour nous y aller, côté que président Jovenel Moïse, t'es allé à l'article 134.2, les boules de voie députés à sénateur aller. Mais qu'on y a là, les a pas appliqué même article ça à lui-même, il dit non, il pas d'accord. Donc c'est ça, c'est parallèle ça qu'on a fait. C'est même bagarre avec la Bible là. La Bible m'a pas dit que nous pas questionner le créateur. C'est pas ça me dit. Mais il y a des bagarres dans la Bible là qui t'a supposé changer. Alors, nous si... pas les défendre de Bible plus particulièrement dans l'ensemble. Non, pas les commandements qui s'assient à terme de loi. Des bagages bien spécifiques. Oui, par exemple, aujourd'hui, là, on a parlé de la peine de mort. Peine de mort là qui divine. Et les mangas de divine, dans le combat qui vient passer dans la tête, c'est qu'il y a des croisades au nom de l'Église. Donc, qui sont croisadiers?
lorsqu'on une religion et on tout un catholicisme qui a parti à travers le monde au nom de l'Église, au nom de la Bible qui peut prêcher monde et que sont pas accepté pour catholique et que yo tuyo yo esclavage yo fait toute qualité bagaille nous subi de lui nous-mêmes personnellement en Haïti qui vient boire les esclaves tout ça. Donc ça c'était dans la Bible là que le bon sens s'il pas dans la Bible là yo te choisi la Bible là pour faire. Mais est-ce que ça a fait kounia là? Donc si quelque part dans la Bible il était autorisé pour faire des croisades au nom de l'Église, c'est un article qui peut-être a mérité un amendement kounia là. Bon tout bagage tout ça Max, on va parler en termes de croyants qui ça. Pas bien qu'on a termes de qui sont pas les besoins. Alors, on parle en termes de croyants qui ça pour accepter, nous plus accepter que le monde pas accepter avec moi. Je préfère ce que tu n'acceptes pas avec ce que je vais dire plutôt que s'accepter accepter ou aller vérifier pour contre moi. Moi-même, j'ai pas ma position. Ok, bon, bah, on va gagner. Mais avant, dis-moi, moi-même, je ne parle pas de Bible. Ok? Je ne parle pas de Bible parce que l'anglais que la Bible a écrit a dépassé la compétence. Je m'oblige, j'ai un monde qui peut expliquer ça ou dire. Alors, il suppose dans tout bien, mais je suis capable peut-être en hébreu, il est capable peut-être en espagnol, parce que vous ne parlez pas en français. Quand, alors, comme nous te parlons. Quand on ne parle pas de Bible, c'est un parole que je m'apprends dans le café. Ça, vous ne parlez pas de Bible. Là, il n'y a pas de cacher parmi les bons bâles. C'est pour tout le monde. Et aussi, le français, peut-être que, en tant qu'haïtien, nous lisons, nous écrivons, nous entendons le français, mais nous ne parlons pas le français que nous avons parlé de façon convenable. Mais nous parlons créole. Nous connaissons ça n'a pas l'air. Bon. L'homme parle du commandement, Max. Non, mais vous avez compris ma grotte ou ma petite simgélie, ça. Non. Alors, ma bête avec vous, quelque chose, nous, même haïtiens, on a fait nous là. Moi, on dit, vous pouvez faire quelque chose qui est là. Avec une français, pendant que Max finit, nous ne pouvons pas prendre deuxième page. Et il y a certains qui s'agissent de lui. On va discuter ça, ça se le va venir. Ok, il est là. Ok, le temps, on va parler, Max. Sauf quoi, le créateur, peut-être que tout pays devrait dire au créateur que vous voulez. Est-ce que le créateur passe en avant, le créateur pendant? Ok, ça arrive. Maintenant, permettez-moi que je ne prenne pas un petit commandement, parce que je ne suis pas obligé de me forcer tête. Moi, je vais me faire un petit livre tout petit de toi qui écrit en merci en français. Et aussi, ma lire commandement pour nous voir. Population, mon monde captant de mieux, qui est prêt à le faire pour le vieux passé. Et évidemment, sous les là, on a un téléphone qui est ouvert là. Au moins, là, ouais, est-ce que il y a un amendement qui a voté la Constitution? Ça me résume une Constitution. La Bible, qui c'est 10 commandements, qui a écrit dans l'Exode 20, verset 12 là, il parlait qu'un seul Dieu tu adoreras et aimera parfaitement pour le commandement. Deuxième nom dit son saint nom, monsieur, tu respecteras. Fuyant, blasphème et faux serment. Mm-hmm. Tu ne commets pas. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévoitement. Alors, excusez-moi, je ne parle bien, mais quand on me dit, il m'a aussi pareil. Tu, tes pères et mères honoreras tes supérieurs pareillement. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Max. Avec la venue de Jésus-Christ, il dit que tout commandement ça revient chouette côté de l'Église sociale, deux commandements. Comment? Il sourit de mon Dieu, j'en ai tête droit, on ne parle pas de Dieu encore. Et il me garde la première commandement, on ne parle pas aucun Dieu, on ne parle pas de gloire. Pour y aller, alléluia, remet frère, tant que j'en ai mes têtes pour là. Sourit mon frère, les lois définies pour nous, dans tout ça que je dis là. Est-ce que l'on même ou est possible, côté que mon gars doit qu'on y là, ou convoiter bien que les gars à côté parce qu'ils ont des machines. Est-ce qu'on est possible pour se disposer de dire là pour mettre des armes dans mon temps pour kidnapper, pour violer, pour tuer, pour être un corps pour nous, pour être un pour ça. Donc, gardez tout commandement qui passe directement en dedans, remet le prochain. Donc, si vous remet le prochain, ou pas convoiter, ou pas faire des baptiste, ou pas faire adultère, ou pas voler, ou pas parler mal, ou pas côté des témoins babdou, des propos mensongers, des témoins avec mon salaire qui vous obligez à être capable de soit mettre dans la prison, même des capes mourir. Sauf si n'a pas directement le commandement de mon Dieu qui est écrit là, quel que soit l'heure où on a vécu là, que le temps passé, bien avant, vous avez dit là, lui le temps avant même de gagner des là, qui nous dit là, vous avez dit l'homme, pendant qu'on y a, et dans le temps que vous vivez, ça y est tout à fait inchangeable pour moi-même.
Oui, d'accord, Bezo, je comprends nous, mais cependant, je vis la réalité. Je dis que, par exemple, peut-être que, longtemps que la Bible a été écrite, pays a été fort pour 7e jour, pour personne ne travaille, tout le monde pour consacrer ce jour au repos et à l'église et au Créateur. L'acte des apôtres, mon Dieu parle côté que, ou bien, droit, balle, gloire, n'importe qui côté, n'importe qui gens. Qu'au chita, qu'au dans toilette, qu'au coucher, que dans la machine, ou cabaye, bon Dieu, gloire. Par contre, réunion qu'on voulait parler, le fait qu'on a parlé ça, on a parlé de bagage sabbatique, directement, qui était fait dans le temps côté que le Jésus-Christ est là, et puis il était dit à disciples, à tout le monde, surtout les pharisiens, et tout le monde, vous êtes dit, les enfants d'Israël, qui ont été dit que c'est petit de Abraham, qui est père de multitude nations, il dit que c'est petit, aux petits, Abraham, que nous fait ça, Abraham, dès qu'on fait. Je suis venu pour accomplir, mais non pas pour abolir. Il n'est pas aboli en rien, mais nous avons fait directement l'application, tout ça qui est gagné, qui était écrit noir sur blanc, ou de façon bien on est écrit directement dans la tablette qui était gagné, on a dit comment on a. Et encore, le par exemple pour le sabbat, quand on va parler, quand vous voulez dire au jour, bien déterminé, il dit qui est-ce dans nous là, que nous ne pouvons pas travailler normalement dans le sabbat, qui a un bœuf, qui a gagné un bête, qui a gagné un bête, qui a tombé dans le puits, qui a quitté le temps périmé. Ce qui est questionnable en pile, et que pendant que vous êtes en compagnie, j'en ai beaucoup lu, vous entendez, pas de monde sous la tête à faire directement, qu'on vous dit tout le temps pendant ce sabbat, pour dire le sabbat a été fait pour l'homme, mais nous parlons pour le sabbat. Alors, ça, nous parlons du sabbat, dans la tête, parce qu'il y a moi, mais ce n'est pas le sabbat, n'a pas lieu. Rêvez mon Dieu, et respectez mon Dieu, c'est lui qui juge. Max Souman a dit, je dis à la, pour pas qu'il y ait une émission, moi, mille, autour de notre droit, pour faire une bonne vie. Moi, t'as pensé. Oui, nous 1 à 0, tout dit Mickey. Parce que nous faisons d'accord là. Que... nous faisons d'accord là. Si nous faisons d'accord là, vous ne pouvez pas me prendre la journée. Vous ne pouvez pas me prendre la journée. C'est ça, c'est là que moi je voulais aller. C'est que et, au niveau social, avec évolution société, avec train de vie, nous, conseil de bagaille, nous obligés de faire mon yeux sous lit, nous obligés d'adapter nos amis. C'est là que m'a parlé de amendement peut-être qui quand mot fort. Qui quand mot très fort. Allez, moi pour le parler. Bon, t'aimes du bezo. C'est de si nous voulons radical, la choisir. Mais tu apprécies que Jean t'ai a parlé avec vous comprendre ça. Bon bien sûr. Tu as dit tout par la Bible. C'est pas il va pas Bible vous non. Ouais, juste peut-être faire avancer nous ça que Bible peut-être pas. Alors, pendant que je parle de la Bible, tout ce que je dis, il va étrangement. Pas qu'il y ait un monde qui pense qu'on parle de la Bible, c'est pas moi, je le sais. Donc là, c'est ça, c'est radical là que m'essayer. Idée émission ça, je dis, c'est pour présenter mon Dieu à la réalité là, que radical là, est to be or not to be, à comprendre Jean, à comprendre là, le pasteur a campé sous chez la Bible là, il est sacré, ou pas qu'à changer rien là, donc obligé de suivre à la lettre là, c'est faux. C'est faux. Depuis sous, manquer d'idées possibles. Alors, sa parole peut être fausse, mais les choses sont tout à fait vraies. Ça veut dire que peut-être qu'il est capable de dire un Dieu pour chaque monde qu'il a pour mettre en application une telle chose, côté que nous n'avons pas de commandement. Max, nous péchons bien avant même que nous défaitions. Moi, ma voix. Quelque chose qu'on y est. Pour nous, tellement nous entachés de cette nullité de péché. Ça veut dire que si nous n'avons pas de peine de mort, c'est parce que nous avons un crime qui vient au Dieu. On est qui kidnappé un monde, qui est monté 12-13 ans, 2000. Moi-même, avec mon temps que je me parlé, nous ne pouvons pas le faire. Parce que dans la loi du talion, ça nous parlait de l'Ancien Testament, c'était lapidé que tu as parlé de quand il y a la croix, il y a les croyants, et avec Jésus-Christ, c'est que pendant que Dieu parlait, il dit après la vengeance, et que dit tu ne diras point. Malgré que tu ne diras pas les faisait partie aussi, Gabdou, du Pentateuque, directement, qui dans le livre côté que Moïse est venu d'écrire directement, c'est le livre qui était gagné avant qu'il ne dégagne, le livre qui fait partie des 66 livres de la Bible. Des livres qui sont dans la Bible, tout max, c'est un livre poétique, des livres de poésie, des livres qui sont passés dans la Bible à côté de nom Dieu, pas cité du tout, en dans la Bible. Des livres qui étaient pas cités, des proverbes. L'Ecclésiaste, pour pas qu'il y ait un dans la Bible là, et que, au moment même que nous vivons là, nous vivons au moment capable de ce que nous capable de dire, du moment apocalyptique. Apocalyptique, oui. Si le moment apocalyptique là, nous avons capable de faire une rétrospective avant, nous pourrons aller dans le fond, nous avons un retour d'âge. Est-ce qu'on connaît dans l'Ancien Testament, il y avait aussi certaines choses qui ont été annoncées de façon apocalyptique? Nous avons un verset proprement dit, dans Daniel 2, verset 44. Côté que Paris dit, il y a un jour pour arriver, côté que le royaume qu'il a,
tout royaume qui gagne sur la terre, il va le broyer par un seul royaume. Ça, c'était Daniel qui t'a parlé avec Nebuchadnezzar, qui était directement qui était sur sa la Mésopotamie, une gros monde qui était dans Babylone, le grand qui était gagné en Irak, dans la terre de dérive qui gagne en Iran et l'Irak. Ouais, enfin, on fait pas les préfets dans le bagage, et on n'est pas obligé de dire. T'es gagné, ça a donné, capable de des phrases apocalyptiques qui étaient citées directement dans Daniel et qui fait partie directement dans le temps passé, bien avant même que nous vivions qu'on y a là, dans le dernier moment, qui c'est dans le livre de Jean, qui c'est Apocalypse. Alors, amendement pour parler, ou arrangement, peut-être que, et Jean l'homme dans le prenant aujourd'hui, parce qu'il a dit, sous pas directement dans ça, bon, pas sauvé, sous pas fait un bagage, et pourtant c'est pas vrai, majorité pour qui sur la terre, ma croix est limitée à 10%. Bizim pas quoi peut-être qu'il nous rappelle le loi que mon Dieu qui était directement en dehors de la boule d'appliquer qui s'est dit comme plus particulièrement une figure de la guerre pour l'homme ok tu ne tueras point. Oui, alors c'est hypocrisie ça qui gagne dans l'église là que m'a exposé là aujourd'hui à moi même en fonction de sujet ça à travers sujet ça que nous choisissons pour parler hein. C'est parce que nous avons présenté pour monde que je n'ai pas de cas clair yo connaît ni il y a un exemple, mais fait croyance là que vous avez avec hypocrisie ça qui est dans l'église là, pas permettre de accepter certains mots que nous avons utilisés pour amendement, mais en réalité, les passer sous forme de loi par les hommes. Vous comprenez? Il y a des pays qui sont obligés de prendre des positions côté que vous avez la loi de la peine de mort, malgré que dans la Bible là, il dit tu ne tueras point. Et le roi le tue un monde, premier ça a fait, qui a fait son père, son pasteur, qui aurait les pouvoir prier pour lui. Alors, c'est même Bible encore qu'il a utilisé pour prier pour lui, pour effacer péché lui, pendant ce temps. Pour l'expier péché lui, pour ouvrir porte paradis, ou alors ça ouvre balia. Donc, pendant ce temps, c'est toujours actuel. Max, moi, je disais moi-même que, est-ce que je ne vais pas commettre erreur en pensant que je comprends ça qui est dans la Bible, dans la peine de mort, et que lui parler depuis la nuit des temps, l'amour fait partie aussi de la vie. Parce que si l'homme a été créé directement à l'image de Dieu, ou encore avec le libre arbitre de le choix, sous dit libre arbitre de choix, ça veut dire qu'il y a deux chemins. Et il y a un chemin mené à la vie, l'autre mené à la mort. Et t'es que t'as des bagages qui étaient faits pour ça déjà, bien avant que l'homme ait fait, fondé. Parce que si l'homme a été créé avec le libre arbitre de choix, ça veut dire qu'il y a un choix de deux routes, t'es qu'un choix de deux bagages. Et l'amour a fait partie de ça, capable de bien la vie. Ya. Moun ta pourri. Comprenez-nous, notre traduction, il y a des bagages qui sont capables d'être mal traduits. Il y a des gens qui ont peur de prendre position ça parce qu'ils pensent que c'est péché, pas péché devant mon Dieu. Si pendant ça qu'ils nous disent, il y a des prêtres, des pasteurs, des judicateurs ou des gens qui sont obligés de faire études avancées de ton niveau de la Bible, pour raison pour la société ou pour son église ou pour son assemblée, il n'y a peut-être pas qu'à parler pour dire que pour qui ça m'oblige, si je t'ai fait et que je fais ta clé, je vais choisir, je choisir soit oui ou bien non. Et non, moi-même, je ne dois peut-être pas comprendre comment mon Dieu dit est-ce que tu tueras moyen si par exemple, il y a un monde avancé sur moi pour le tuer, il y a la caméra dans moi pour visiter nous, quel que soit la terre, ou utiliser mon matériel là, car vous avez tué, est-ce que c'est pas tué ou tué? Normalement, ça l'a fait, là, obligé de tant de monde qui a pris les sous pour nous, au moins, pour le vidéo, on a tant de premiers appels là, nous parlons de Max, ça soit des monde qui est capable de l'être dans le chat. Jusqu'à présent, moi, pour gagner, c'est une raison que c'est difficile en pile. Pour sujet, mon... ça, oui. Oui, parce que sujet ça, j'aime d'où la même DJ Mo qui avait nous là, qui senti que l'obligé participer, mais il connaît tout que son gros risque que la prend parce que. Il n'y a pas de parler du coup, parce que normalement, il y a quelques jours, il y a des visites. Oui, il y a des pardons. Il y a des pardons. Il y a des pardons depuis avant. Avant que tu saches, il y a quelqu'un qui t'a dit que le voile de l'église, on va lui parler pas de bouche. Alors, mais, bon, bagaille, que d'apte, c'est pas seulement, bon, peut-être que la mort, là, tu ne tueras point, hein, ou bien, est-ce que la mort, la peine de mort est divine, les cas ont trop fort, très fort, trop fort, peut-être pour certains, mais c'est pas ça seulement comme exemple que m'te caprin, la Bible, là, qui t'a censé mériter, et on forme, et officiel de amendement sous ta vie. C'est pas que m'en débrouille faire long, c'est juste parler, n'a parlé, m'a montré nous que long sens, au niveau social, au niveau, l'aime dit individuel, ça veut dire que à des pays bien spécifiques que loi imposée, l'y fait, amendement fait, l'y pas fait sur l'écriture lui-même, l'y pas fait dans la Bible lui-même, parce que m'a pas que personne n'y a pouvoir, même le Vatican pas un pouvoir pour t'a dit que y'a pas le changement dans la Bible. On prenne, mais l'y fait au niveau politique,
au niveau social, au niveau gouvernement. On prend par exemple 10 ans de cela, 15 ans de cela, il était un sujet qui était réellement tabou, qui était réellement difficile pour parler de lui, c'est gay et lesbienne. OK. OK. Mais ça qui passe, qu'on y a là. C'est là l'évolution vient paraître là, qu'on y a là. C'est juste, mais c'est exactement ça. On va parler de long changement, mais est-ce qu'il va t'apporter pour des... Parce que si... Ah, ok, Nouveau Testament, il était écrit dans tout le temps, il était après Jésus-Christ, pas vrai? Ah, ouais, mais le temps que je viens là, exactement, même pas qu'on est. C'est là que je est-ce que, après tout le temps, ça, l'évolution qui. Tout le temps, ça, tout ça qui évolue, tout ça qui passe, tout événement qui passe, tout le temps, ça, on change qui a été porté, ça a plus que 2000 ans. Est-ce que vous comprenez le bien? Oh, bien sûr, je comprends très bien. Et c'est là que je voulais faire mieux comprendre. Que on mettait hypocrisie de côté, oui. Et on deal avec réalité. Parce qu'en plus, il n'y a pas fait, en plus, il n'y a pas changé. Écoute, même le Vatican, le pape obligé, font déclaration côté que, lui prend position en tout pour l'expliquer que lui mérite un changement. On est obligé d'accepter. Nous changeons une dame qui te font musique, il y a un M.E.O. Radio, lui te présente musique ça, et oublié nos musiques, une superbe musique, Mlle Gay. Et la parler que techni home quoi comme ça que la parler que voir l'église on voit qui était très contradictoire à l'époque les musiques la sortie m'pas changer mais une superbe musique que en pile monde reprendre mademoiselle la chose ça Émilien les réellement vend et parole avec la musique là enfin en pile monde retrouver la musique là était très très fort le mademoiselle a parlé de quoi c'est techni home. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, pourquoi c'est Technihome? Besoin, on t'a parlé de dans la Bible, là, peut-être, on a parlé de mort, et la peine de mort divine avec une tuerie après, peut-être qu'il est trop fort pour certaines personnes, mais nous avons l'autre exemple de forme d'amendement, de changement qui est fait dans la Bible. Là. Comme pas une personne qui a le pouvoir, même pas le Vatican, vous l'avez dit, bon, prends la Bible là, et verset ça, nous changer. Donc, il n'y a pas probablement rien. Mais cependant, au niveau social, au niveau politique et social de certains pays qui concernaient, les changements ont été faits. Par exemple, nous prenons un exemple, maintenant, on parle de la brise, on va dépasser à deux gays et lesbiennes, que 10 ans, 15 ans de cela, qui c'était un sujet qui était très, très difficile, très contradictoire pour nous débattre de lui. Mais officiellement, qu'on y a là, il y a un pile pays, incluant les États-Unis, il y a un pile État dans les États-Unis, qui autorisait à marier normalement, et même le pape. T'es obligé de prendre une déclaration sur le sujet. Comme tu as avancé tout à l'heure, je vais vous dire, dans Lévitique 20, verset 13, il n'y a pas les côtés que l'on est, c'est le couche avec, il fait un bagage qui est extrêmement grave, abominable. Il y a deux mondes à l'heure, il y a obligé de la vidéo, et sans yo, il a pu retrancher et pêcher un peu sous yo. L'on parle d'un moment ou de changement, ou quoi que ce soit d'être un terme qui nous dit qu'il est capable de dire fort au niveau des commandements, des accusations de constitution. Mais les gouvernements, Max, qui bagaille qui est dur ou qui n'est pas dur du tout que l'homme pas fait les trous de la Bible, les trous de mon nom. Négo athée, il a rejeté la Bible, quand il a athée, il a rejeté Dieu le véritable. Yo bat maman yo bat papa yo fait inceste, yon couche avec soeur, yon couche avec frère, yon couche avec même parent cousin, yo volé, yo convoité, yo tué. Qui loi qui n'est l'homme pas comme dit abogé dans la Bible. Par contre, étant donné que enlever la vie de l'homme lui paraît beaucoup plus grave que tout le bagage yo. Le fait, on dit, la peine de mort qui était gagnée récemment, la peine de mort a été abolie en Haïti, le bannissement, dit que l'exil, le bagage, il y a un paquet de lois qui gagnent dans la constitution que les gens ont abolies. Mais, loi que peut-être nous avons dit qu'il y a l'exode, pour dire que nous avons maintenant peut-être pensé que l'homme n'est pas obligé de faire ça, il y a crasé tout. C'est parce que le sujet est tellement grand, qui fait que peut-être nous ne pas comprendre ça, la parole. Et si yon moun, même façon, li viole yon moun, autrefois, il était condamné d'elle,
Est-ce que il y a pas pays qui style quelque par exemple en Iran, on évoque qu'il faut pas en fibre comme ça, franchir pas cage nous, c'est pas pour nous. Et la pendaison directement pas fait partie directement comme si d'adou. Et c'est un poisson qui la peine de mort que l'été brouillon, je sais qu'elle est belle. Mais il y a un côté qui dit que si les glaces volent, elles volent, même si tu es juillet, il a obligé la police à parler d'elle, il prend les bons juges avec elle, et il a même volé le capable d'où, sous supervision et médicale, pour est-ce que c'est pour monde qui gagne un problème de tête ou de manteau, si sont hébréphréniques, si sont schizophrènes, et tout ça, je dis que Moussa, il y a des bagages qui font réaction, que ce n'est pas propre de lui-même, on va pas tuer. Ou des fois, comme on a dit, même si des fois, il y a tué lui-même. Donc, il y a vraiment une certaine élasticité. Il y a des bagages qui peut-être Moussa ne peut pas comprendre que si on part dans le domaine, dans le sens côté que tuer un monde, est-ce que c'est tuer avec propre volonté ou suspendre la vie physique de l'homme, le fait qu'il fasse avec du grave, pour ne pas avoir une réponse de façon appropriée. Allô, bon, que nous voilà à la maison. Allô, bonsoir. Hello. Yes. Hello. Hi. 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 Thanks for calling. How are you? I am good. How are you? Well, we depend on what you have to say. I'm sorry? Are we good? We're good. Thanks for calling and participating. We're listening. Okay, because I was watching the show and I heard a lot of things that, especially Mo, he was saying a lot of, you know, base, he was touching what the Bible says about the lesbian and the gays and stuff like that. So I have something to say though. Okay, go ahead. Okay, I think, can you rephrase your question about the gays and the lesbians so I could be correct? Well, this is what it is. We're saying that if the death penalty is divine, what about the sixth commandment, you shall not kill? So we were saying that certain things in the Bible not quite should be amended just like the Constitution, but should be considered absolute based on the evolution of time and society. And that's where we did the parallel between 10, 15 years ago, gay and lesbian topic was taboo and very controversial versus now, a few years back, if you looked at, there's a lot of states and countries that officially approved them. And even the Pope and the Vatican had made a declaration where he mentioned the topic and talked about it as some kind of legalization of the matter. Oh. Well, that's just the world. But if you are talking about the Bible, that's against the Bible, because I remember that God, you know, he destroyed the whole nation because of what they were doing. It's not only that they were sleeping with each other, like female was sleeping, you know, with females or whatever, but they were also praising fake God, right? So I know it's a part, it's not from God. So this is the reason why God says that as Christians, if you are a Christ follower, so you're not supposed to do what the world does. You're supposed to be an example. So now I know that right now gays and lesbians, they're out there. You don't care. They're letting you know that what they're doing, which is wrong. You know what I'm saying? But at the same time, God knows the world does what the world does. You know, we have to follow Christ. So if you, I know a few friends of mine, they want me to accept them as gays and lesbians. No, I'm sorry. You're not my enemy, but I cannot hang with you because once I hang with you, I'm going to be part of what, you know, people are going to look at me and think that I'm the same way as you. And it's not from God. You understand what I'm saying? But what you're saying about the, you know, what you said, the Constitution, whatever? Well, we look at the Bible as the central beam, but I was comparing the Bible to a Constitution, which reside the laws of the country, of the land. But this the Bible is more like a spiritual. Yeah. I mean, that's what I have to say because, I mean, you know, that's just the law.
The law is there for a reason, and in the Bible is there for a reason. But at the same time, like I said, if you believe in God, there's a lot of things, because God only wants you to abide to the Ten Commandments. You know what I'm saying? Like you said, you should not kill. You have to love your neighbor. You have to, you know, there's a lot of things you have to do. But the word is not here to abide to what God placed in hands. You know what I'm saying? So, hey. Yeah, but the Bible also said an eye for an eye. I'm sorry, say that again. The Bible also say an eye for an eye. That's the Old Testament, yeah. Okay, so it was a mandate. Okay, yeah, like, okay. So that's, so you have two parts of the Bible. You have the Old Testament, and you also have the New Testament. The Old Testament, that was before Christ. Okay. That's when God, you know, he allowed so many, like Moses, Abraham, and other disciples. I'm sorry, huh? I was still reading from the Old Testament. Okay, listen, let me finish. Okay, that's the Old Testament. That was before Christ. Okay, there was a lot of things going on, and then God was mostly talking to Abraham and the, you know, the people, what they were doing, like Moses, you know, Isaiah, whatever. But when Christ came and died, he said in his words that he did not come to remove what was already written, right? Which is what God, which is the Old Testament. But he came and died, and he added to it. You know what I'm saying? He said, the Old Testament said, yeah, an eye for an eye. I mean, if someone kill you or your brother or your sister, you go ahead and pop and kill that person. But when Christ came, he said, turn the other cheek, right? Meaning, if someone kill your son, he's not telling you not to kill. At that moment, your first reaction is to kill. You go ahead and do it. God forgive. But if you let 2 seconds pass, that's not your job anymore to go ahead and take your gun and kill. Let God deal with that person. That means you turn the other cheek. That's what he meant. Go ahead. I have a question for you. It's very nice to be with you like here today, that listening to what I'm saying. And based on the Old Testament saying that if you have killed someone, you have to be killed by the same way. And when Jesus Christ came, everything has changed so far. So I think it's like the sixth commandment of the ten that we have is like in Exodus, telling that you should not kill. What about someone is like kill, like kidnappers, is that we have, like we're talking about, especially things that happen in Haiti, when you have those kids get killed by the kidnappers. The pastor said that the punishment is a capital punishment from God, and it is a divine one. So you're supposed to have the same things that could happen to those people that they did. And now, what is your point of view about that? Okay, let me make it clear. Let's say if a burglar came to your house, right? Mm-hmm. And then they broke your door, okay? They have a gun, and they're about to kill you. And you have a gun. What you gonna do? You're gonna kill them. You're protecting yourself, right? Right. That God understands. But at that moment, if you let that person go, they did what they had to do. They kill whoever they have to kill in the house. You allow that person to escape. And the next day, you go ahead and take your gun and pow. God not going to see that, okay? Because you already let a second pass by. It is not your job anymore to go ahead and kill that person. You're going to pray, okay? You're going to pray. Maybe God wanted to save that person's soul, and God already allowed him to come to your house because he know whoever he's going to kill, that person is already well done to God. God was already done to that person. I see you in your Bible. I'm sorry? I see that you know your Bible. You're really good. I know my Bible, yes. I appreciate it. I live in that Bible, yes. Yeah, I appreciate it. Thank you for having you. And I don't know what to say. And keep yourself safe, like, from the coronavirus. Even I don't know if you get vaccinated or not, but you got to keep yourself away from it because it is outside. I appreciate it. Have a great Sunday. Bye-bye. Thanks for calling. All right, you too. All right, bye-bye. Thank you. N'ap rappelé tout le monde, n'ap di auditeurs, merci pour participation. Et n'ap rappelé tout le monde que le numéro de téléphone c'est 786-633-1020 pour nous participer, pour nous adresser, pour nous venir à la conversation que nous avons fait là, pour ne pas briser seulement avec DJ Mpain Kapalea qui vous a fait conversation. Donc là, nous voyons que l'acceptation est réelle. Avec les compréhensibles, même
moun kap suivre qui vivent de Bible comprennent que li conditionnel loi au conditionnel donc là l'on sens que nous gen raison bien content que nous devinons un sujet ça pour effacer hypocrisie en quelque sorte pour nous dire avec réalité situation sociale là parce que avant tout Bible c'était posé un problème social et à travers et spiritualité là. Donc si vous croyez dans spiritualité là, si vous croyez dans Bible là, si vous croyez dans papa, si vous croyez dans petit là dans l'Esprit Saint, eh ben vous pouvez suivre et consigne Bible là et vous pouvez vivre en tigeant mieux l'harmonie avec toute loi ça que vous créez qui est dans Bible là. Mais en même temps, et c'est à partir de époque que nous avons vivre là en pile dans loi ça a été écrit pour époque ça que vous avez vivre là. Bien entendu, yo universel, gan pile bagay lan Bible ki universel, ça veut dire que même là que yo te écrit yo des milliers d'années, yo jusqu'à présent, yo ka de mise l'op gade yo et yo tout bagay sa yo, yo still fait partie de vie quotidienne nou, base lan vie nou et surtout parole li ki lan Bible li fait partie intégrante de vie quotidienne nou. Donc là nous ca utiliser Bible comme un exemple comme une marche à suivre mais faut nous d'accord tout que il y a un petit bagage que n'a vienne contrer entre-temps qui besoin changer qui mérite changer un autre exemple que m'a prend encore brezo m'pa connait mot m'pa changer mot exactement mais bon côté dans la Bible qui est adressé comment les femmes doivent s'habiller par exemple. Oui, l'on fit par exemple autrefois, il était que le cap du la synagogue, l'homme est dans le temple, à côté que il y avait bon Dieu gloire, tout ça, gagner le Saint, le très saint, il y a une dame pas douée pour pas des voiles dans la tête, il pas d'obligé. Et si même fille a gagné ça, il est vrai, mais dans les périodes, il n'y a pas qu'à monter cher, il n'y a pas qu'à oublier à l'église, dame, j'ai eu la caille. Si nous parlons de l'habillement, vraiment, vraiment comprendre ça, il y a une certaine évolution qui fait l'oreille pour elle dans l'église. Et bon Dieu, pas juger mon sou directement sous son habit dans l'église. Il m'a parlé de ça, il m'a parlé d'une façon, et il m'a dit attrayante, côté que il y a un monde qui retourne dessus, il n'est pas débraillé. Et plutôt la courade qui pas neuf mais qui propre, mais pas d'une façon côté que vous avez exposé corps. Des codes de comme dit dressing code qui gagnent et jusqu'à présent gagnent dans l'église même cette question de libération comme de libertinage qui gagne dans bagayo mon habillé de bonne bonne qui j'en pour mais comme Dieu dans sa magnificence côté lié à dans omnipotence dans tout ça que comprendre si un monde c'est yo t'a dit un bout de pantalon comme ça bien sous et que c'est même pour aller l'église. Moi-même, j'ai jugé que je ne peux pas prendre ça mal. C'est la société qui prend ma gueule d'une façon ou autre. Si vous n'avez pas de problème de pouvoir, vous n'avez pas de plage, vous n'avez pas de dire à l'église et tout. Et c'est une scène de l'eau, une fois d'avoir une journée qui nous dit que vous n'avez pas de parti, colis, et tout ça, normalement, il fait partie du côté que vous avez là, il dit que, si je m'en souviens, et si ce n'est pas de dire au nom, il parle de quelque chose, une façon pour habiller, une façon pour payer les chevaux. Et pour obliger de parler, pour qu'il y ait des blagues, ça. Mais ce n'est pas ça qui a fait que peut-être l'homme n'a pas sauvé ou pas quoi, on se croit dans Dieu. Bon, mais on dit que toutes ces lois, ça, il y a plutôt humaines. C'est les hommes qui font loi, ça, parce que bon Dieu lui-même, qu'on vient prier, qu'on vient adorer, en quelque sorte, et il n'est pas concret. Il n'y a pas pareil pour Cameroun, pour Kawel. Donc, c'est les hommes, c'est la société qui met décision ça, qui met la loi ça en fonction de compréhension par eux avec et tolérance par eux. Mais. Moi, il y a quoi, mon sens, oui, oui, ça? Oui. Bien avant que l'homme ait péché, selon la Bible, dans le livre directement dans la Genèse, côté que Dieu dit voilà que l'homme est devenu un Dieu comme nous, chassons-les d'être masqués, le toucher. À l'âme qui mène à la vie éternelle, de toucher à l'âme qui mène directement à la connaissance du bien et du mal. Bon, je vais définir des écritures pour lui dire directement pour une philosophie. L'homme était chassé directement du jardin d'Éden, côté que normalement, qui nous dégaine les premiers êtres qui dégainent sur la terre, qui étaient
capable de grand maman ne va pas nous. Il dit que si l'homme qui a touché le bonheur là, ça va faire lui-même, il retire yo, la vie yo. Il dit que ce soit Eve ou Béa, il va dire à la canon, il y a tout tourné. Il dit comment faire pour le tout tourné. Ça veut dire que le vide péché, bon Dieu a lié yo. Il vient sentir que nudité yo, monde pas capable. Bon, c'est un tas d'histoires que même Babchit a suivi pour me discuter sur ça. Nous comprenons des avoirs par où le fait que les bagages que vous nous prenez pour vos hic. Et si vous n'avez pas cheveu, parce que le papa est cheveu dans l'église là, mais que Jacob a dit, pour qui ça vous laissez dans l'église, mais ce n'est pas ça que vous devez chercher, vous savez que vous devez chercher. Mais en même temps, on ne peut pas aller de n'importe quelle façon. Parce que moi, je suis dans ce studio là, nous connaissons les carrières sur nous, tout pour nous regarder nous, pour nous mettre des colons, et je suis désolé, et nous avons tout, pour tout ça, pour nous capables de dire un représentatif. Le mieux à ce qu'on va les sentir, pour aller pour un représentatif devant mon Dieu, en tant que bientôt. Mais en même temps, si vous n'avez pas gagné, sou pa kale, ou vle bay mon Dieu gloire pour le balia, koto chita koto ya, ou on n'a pas besoin aucun temps pour bay papa mon Dieu gloire. Oui, ça c'est pour la société et c'est les hommes. Et c'est un crédit que m'a l'église catholique, côté que lui ouvre à tout le monde, quelle soit condition pour venir, pour que toujours ouvre pour eux. Et les hommes qui critiquent, mais père lui-même, et mon Seigneur, il ne peut pas juger ouvertement. La recevoir. Alors monsieur Didier Mo, nous voilà pour une petite pause là tout à l'heure, ma première séance dit ça nous connaît très difficile, non maman je le connais pas, nous voilà pour une petite pause et puis bonjour n'a vienne après pause n'a conclu et puis vous nous faites transition à partir pendant l'émission que nous attendons là. Alors un bon petit pause et puis n'a tourné. Voilà, c'était Mika Ben Haïti C. Une très très belle musique, moi personnellement texte là, superbe texte, compliment Mika. Nous retournons là, Mika me défermé. Nous avons dit merci à Mika pour musique ça, pour texte ça, superbe texte, une très belle musique, compliment. Nous allons fermer émission là, la conversation ça que nous tenions, discussion ça, topic ça que nous n'avons pas les jours là. Côté que nous te posons des questions à partir de yon vidéo que yon pasteur t'a publié et rendu public sur les réseaux sociaux. Côté que, bien sûr, monsieur t'a parlé de situation politique et sociale en Haïti avec tout crimes qui ont fait là, tout désordre qui ont fait là, de kidnapping, d'assassinat, etc. Côté monsieur t'a dit que il faut peine et fonction de crime. Donc, il te demandé que Fondavina ait peine de mort. Et pour faire parallèle la peine de mort, là, je suis rentré dans la Bible là pour dire que la peine de mort est divine. Il était allé de trois versets dans la Bible là, côté que il t'a montré par A plus B que si geste et peine de mort là, et c'est un bagage qui ça, c'est divine. Donc là, il était attiré l'attention moi-même personnellement, côté que me demandé si peine de mort là divine. Qu'en est-il du sixième commandement qui dit tu ne tueras point? Alors c'est ça que nous avons fait comme conversation jeudi à là, comme débat. Et parallèlement, puisque M. t'a parlé de constitution en tout, et que moi m'estimais que Bible, c'est une constitution que lié tout, mais plutôt religieuse, spirituelle. Mais même Jean Kouka amendé constitution ou changer des articles là dans et qui pas de mise en cours. Ou mettez ou fait des aménagements, des améliorations à cause de évolution et population et situation. Donc, c'est même j'en pense tout que il y a dans la Bible là qui t'a fait le même sens là et que nous t'ai prouvé que effectivement il était fait. Mais comme pas de monde qui a autorité pour t'apprendre la Bible là, il dit verset ça nous changer, verset ça nous changer. Donc, il vient fait plutôt son niveau. Gouvernemental, des gouvernements prennent des décisions en fonction de ce qui a passé dans le pays. Il y a des states, par exemple, à Boïsi, qui prennent des décisions en fonction de l'évolution société a, pour changer des articles, pour prendre des lois qui viennent faire des changements qui peut-être en contradiction ou qui à l'opposé de qui s'acte écrit dans la Bible. Par exemple, tu ne tueras point. Hein? Nous connaissons que il y a des states qui sont obligés d'imposer la peine de mort. Même Jean-Pasteur a demandé. Pour une situation, une décision pareille devait être prise en Haïti pour contrecarrer ces criminels qui ont grandi sans peur, sans crainte, qui ont fonctionné dans le pays, parce que est justement estimé que par une peine de haut niveau qui
qui pour contrecarrer ou nègre qu'on est au fond Zach. On prend le gros qu'on est, il prend le pont, il prend le tuyau. Et c'est là qui t'a qu'à mettre de l'eau dans du vin. Alors, c'est ça que le sujet est aujourd'hui à la. Nous remercions l'auditrice qui était relayée et qui était participée avec nous. Nous remercions l'empile. Et nous comprenons tout que nous avons pile d'amis que, avant que nous fassions mission pendant 2 semaines là, et à chaque fois que nous en groupe, et nous faisons une sorte de discussion, nous ouvrons le sujet pour nous parler de lui, et mais il a créé un pile controversie, et que nous comprenons parce que là, il y a une croyance et qui involve la donnée. Au moins, ce n'est pas tout le monde qui est ouvert à la conversation. Ça. Donc, c'est un sujet qui était très très difficile, et je suis bien content que nous réussissions et passer quelques minutes à parler de lui de façon pas longue. Alors, sans perdre du temps, on a fait transition directement là rapidement avec monsieur Didier Mo qui pour aller que nous connaît participer dans un pile là, il pour parler dans le sport de ça qui est passé la semaine là dans le sport. Alors monsieur Didier Mo. OK, salut tout le monde, mais avant que nous rentrer dans le sport là, ajoute un petit bail tout petit. Parce que ça c'est m'obliger faire on ta frustration parce que on ta parce que ma frustration li comment parce que mon évangélique en Haïti il subit des kidnappings en tout parce que dans 3 derniers mois passé là on a fait 3 pasteurs qui avec petit Joe qui des kidnappés. So ça arrive avec tout le monde qui a vu une situation ça en Haïti. So mon évangélique a tout le monde vous dit même genre avec musicien qui c'est une parti un peuple qui est loin de violence qui va fonctionner normal bal pays a crasé la journée et le soir il a tout le temps il a fonctionné normal il va il sans c'est pas une forme dans sa capote il va opiner il va dire rien et comme si rien n'était il a écrasé depuis que il vient au côté de l'office le soir il y a un problème. So, je sens que ça passe à faire. C'est nécessaire. Il faut que groupe de monde dans chaque groupe social dans le pays. Il faut opiner. Montrer la réaction avant de ce qui va passer dans le pays. Donc, je pense que c'est nécessaire. Et que pour M. exprimer le comment. So, c'est juste ça que je vais ajouter. Et nous avons plus de monde pour le pasteur qui pour faire ça, monsieur faire. Parce que il y a assez. Parce que l'homme a dit que ça a fait qu'on a la jeune fille à victime. Il vient tout le monde en business pour nous. Tout le monde net a fait longtemps. Il était un petit genre random. Mais qu'on a la. Ils sont gros business pour lui. On que connaît tous les qu'on aime quand on est comme tout ça fait les gagner toute information financière you are target to that person so on passe de venir c'est pas ça de ça c'est juste ça m'a ajouté ma côté rapidement dans sport là parce que ma couille là qu'on a ramené le bad manger so je dis à c'était deuxième dimanche playoff au côté de il y a deux matchs deuxième match de la première là il y a deux matchs hier côté qui vient bénéficier éliminer l'équipe Early Rams là et puis il y a Buffalo Bills qui éliminer l'équipe Baltimore Ravens jeudi a gagné deux autres matchs qui c'est à une seconde la tête m'a fait un défaut côté ok voilà. Côté que premier match là qui était Cleveland qui a joué la taille qui est champion qui c'est Kansas City côté Cleveland perdu devant Kansas City malgré que star quarterback équipe Chiefs star qui c'est Patrick Mahomes qui est content de ce match là il faut comprendre si M. Afka a été très pour jouer prochain équipe lui qui a Buffalo Bills, monsieur que match a vu la carte ici parce qu'il y a un home field advantage. Mais c'est pas évoqué, sûr que monsieur a fait un clear concussion protocol pour monsieur jouer dans le match. Et on connaît l'équipe
Buffalo Bills a dit que tant que bâti l'équipe là, yo mené des talents en défense et en offense parce que on est yo te prend star receiver Stephon Diggs, yo t'a prend un star cornerback que tout le monde connaît dans NFC East là, qui c'est Josh Norman, yo renforce ligne offensive line là. Des protections pour Josh Allen, pour nous aller, il y a tellement de paquets là, le café play, des cas courir, avec tout ça qu'il est mieux de faire pour le faire équipe lui marcher. So, Buffalo Bills, il est en trait, il y a besoin de mon homme pour battre l'équipe ça, ça me garde ça. So, pour nous aller, il y a équipe Tampa Bay, Buccaneers qui a avec New Orleans Saints, la carrière New Orleans, match à jouer, il y a tard 13 dans half time. Et puis dans NBA, je vous dis, il y a 5 matchs qui sont schedule. Il y a 2 qui jouent déjà à un cap de Kounia. Le premier match, c'est New York Knicks qui a joué avec l'équipe Boston. Je ne vais pas me checker parce que je ne connais pas Boston et je vois qu'il ne joue pas aujourd'hui. Parce que c'est une bagarre qui a posé un plus de problème dans NBA. Puis je vois vraiment. Pas content du fait que yo pas quitter la caillou 24 heures avant match. Ça veut dire que yo pas prendre la rue, yo pas activer leur activité yo, et lui vraiment cause un problème. Et il y en a d'ailleurs qui même choisi pas toucher pour une semaine match juste pour qu'à faire ça au début de faire. Et Léo fait ça, il a même sanctionné, il a suspendu, on paye et il a reçu la fine. Donc, il y a un peu de problèmes qui sont considérés en chitare saison parce qu'il faut vivre. Donc, on a regardé comment ça a évolué parce que dans un peu d'équipes, on a des équipes qui arrivent à jouer, on roster de 13 à 15 personnes. À cause de COVID-19, coronavirus protocol, qu'on a obligé à chita, mettre des joueurs dans le quarantine pour un nombre de temps, pour qu'il y ait clair, pour qu'il y ait testé négatif avant qu'il y ait une activité équipe. Donc, so, les causes en plus problème. C'est ça qui est ma amie pendant 2 semaines du passé là-haut. Il y a plusieurs cas et même dimanche passé, il y a un match qui arrive à postpone à cause de 3 cas corona et monde qui a su qu'on a vu ce protocole qui n'a pas qu'à l'activité équipe. So, il y a plusieurs équipes qui ont le même problème. Ça. Je veux dire, New York Knicks a joué avec Boston, côté de Dieu. J'ai écrasé l'équipe Boston 105 à 75 la taille Boston dans TD Garden. Et puis l'équipe Chicago lui-même, il est rentré Dallas, qui a battu l'équipe Mavericks 117 à 101. Quand il y a eu Utah à jouer avec Denver, il fait up the score là, Utah en top 26 à 19. Et puis plus tard, New York et New Orleans, qui parle la CAD, Sacramento Kings, et puis à 10h, il y a eu les Clippers qui ont reçu Indiana Pacers. Et puis dans le football, ça a eu la CAD. Football à Pierre, je dis à Zamin Djeguito parce qu'on mauvais dimanche. Par contre, qui va aller pour voir M. Boué pour digérer le genre de séisme ça dans le jeudi. Mais au cas pour Wanza, ce n'est pas que l'équipe Atlético Bilbao est inférieure équipe en Barcelone. C'est que l'équipe Barcelone dominée qui vient de perdre le match avant le match à cause de. Je ne vais pas dire ça à cause de Messi qui prend un carton rouge. But, mais l'équipe est censée changer le moment de match. Côté que tombé là, avec l'équipe Atlético Bilbao. Et puis en Italie, il y a Napoli qui bat Fiorentina 6 à 0. Moi, après longtemps, ça a été un beau match. Napoli Fiorentina. À l'époque, Batiste n'a pas joué pour Fiorentina. Ça. Et puis, l'époque que Marouna a quitté l'équipe Napoli.
So we opened the Fiorentina Napoli at 6-0. Et puis tu gagné bon en seconde, comment on parle toujours, tu gagné Inter Milan qui bat Juventus 2-0. Et puis rapidement en Espagne, on dirait dans ban résultat massa déjà que Barcelona a perdu devant Atlético Bilbao 3-2. Et puis Villarreal bat Tenerife. Et puis n'oubliez pas sur le massa qui était passé en Italie côté que Atlanta était en deux goals qui ont retiré en face de Genoa que le match a fini 0-0. Et puis en Angleterre, Tottenham bat Sheffield United 3-1. Et puis Man City bat Crystal Palace 4-0. C'est ça, mes amis, sport pour nous. Bon, merci à tout le monde qui t'a regardé, tout le monde qui supporte les choses. Ils sont toujours un plaisir pour moi, les dimanches. Dimanche passé, j'ai eu un petit problème de Bacala. Il n'y a pas de plus important, mais je préfère dire que ton emergency, que j'ai eu un travail qui m'a obligé de porter mon bar sur mon Bacala. Mais je vous ai amené là. Nous allons nous souffrir avec nous aujourd'hui. Nous avons une raison de faire parler avec nous. Nous allons checker sur nous pour nous connaître ce qui passe, comment sortir de la famille et tout ça. Donc, merci à tout le monde. On les voit, c'est dimanche prochain pour petit nouvel sport, par le sport. Merci, et go. Merci DJ Bo, merci tout le monde. Nous arrivons à la fin de l'émission aujourd'hui. Je profite de vous remercier nous encore une fois pour participation nous et m'a souhaité que nous pas rien monde trop monde qui fait compte avec nous déjà nous te dire que ça pas vienne ça passait beaucoup mieux que prévu et la petite discussion qu'on a fait. Alors le rendez-vous c'est pour dimanche prochain bien sûr et sujet que nous allons parler de l'IA là comme nous approcher nous là dimanche prochain là déjà 24 qui a mis nous à exactement 2 semaines de 7 février 2021. Donc nous allons concentrer nous sur Haïti la semaine prochaine parce que grand pile nouvelle qui tombait que nous pas mentionné aujourd'hui du tout, mais nous allons consacrer émission dimanche prochain hein, et big partie de l'IA sur Haïti pour cela qu'à parler de tout événement qui passait semaine ça y compris événements qui supposaient pouvoir passer dans les 2 prochaines semaines. Donc, comme d'habitude, nous avons M. Brézo qui va faire clôture là pour nous avec proverbe du jour. M. Brézo. Bon, M. Max, M. Didier Max, comme on le dit tout le temps, on est vraiment pile. M. Didier Mo, tout le monde qui est dans le jeudi, Brézo Fio, très content de m'avoir souvent fait question de ce sport-là, et qui s'est attendant. Et ils ont des bagages qui attendent, parce qu'il y a ici un petit problème mobile. Max, tu as dit que ça ne va pas si c'était ça. Eh bien, pito nous l'aide, nous là. Ou même je dis à qui c'est que c'est pito nous l'aide, nous là. Donc, il ne dit pas accepter lui. Mais mon cher, vive longtemps mieux que le temps où on est allé bien vite. Côté que tu as quitté ça. Pito nous l'aide, nous là tout le temps. Et que Max dit, mon Dieu, tout. Bon, depuis nous l'aide nous là, non? Depuis nous là tout le temps, tout belle. Mais nous choisissons côté de quitter nous l'aide nous là. Pour nous voir si c'est capable de vivre. On a fait le jour. Moi, je vais avec elle. Oui, non, c'est qu'on est à ma passe sur 2-3 dans les commentaires. On va choisir. C'est vraiment intéressant. Il y a besoin de quelqu'un qui a pris d'argent. Il y a quelqu'un qui a su. Je ne vais pas mettre les tout, mais ça me garde bref. Dis-nous, mon commentaire qui dit. Quand c'est temps bon Dieu, ou obligé à habiller pour aller l'église. Eh bien non, il n'y a pas de gens qui vont aller tout donner. Nous allons aller de ça. Puis tout le monde est nous là, mais nous savons aller vers nous. Ou bien nous allons aller ou bien. Les petits amis disent que, ou bien nous allons aller, mais pour habiller l'aide. Parce que c'est pour habiller de la plus belle des amis. Et puis, fille, il n'y a pas de moi, surtout ancien. Nous voulons nous, je ne sais pas comment nous avec ça tout le monde. Mais. Dans le commentaire, Paul il dit que fille qui a mis des pantalons dans l'église, normal.
Bon, Max te me parle, il y a non c'est une petite controverse que je pense à l'heure. Est-ce que ça ne fait pas jeune salut? Bref. Et il y a des soucis de l'homme, et que nous, est-ce que nous devons tout le monde va trouver? Max, ça avance soi-même. Il y a des petites choses, comme on dit, il y a un peu de temps que l'on voit des gens dans le visage, si je ne peux pas bien faire rien, je ne peux pas bien voir le soutien tout. Et puis, dans ce temps, parce que ça lui-même, nous ne pouvons pas faire ça à faire pour être là. Nous ne sommes pas dans la voie de faire des choses dans l'église. Ce n'est pas ça qui est le problème dans l'église. Là. En nous, si on a l'hypocrisie, là, dit que la situation est fréquentée, pour l'instant, on est tous autres, et on pile à la tête, on veut les changer, on veut les aller. Non. En nous, que nous faisons des choses. Si nous sommes tous avec, nous ne pouvons pas côté de la voie, nous ne pouvons pas aller l'autre. Pourquoi c'est comme ça la vie? Et l'amour, la charité, il faut que nous gardions les amis, il faut faire des passions du soir. Moi-même, je change de constitution pendant déjà. Bagarre sous sac sous pour le monde, moi les sacs. Puis tout le monde là qui s'est couvert aujourd'hui, mais n'a pas pour tout le temps. Même si on parle pour tout le temps pour nous vivre la vie, mais n'a pas pour tout le temps dans ce côté que si passé comme quand on passe des micros, quand on passe Didier Mou et quand on passe Max. Mais ça devient son bon dimanche, à dimanche prochain. Nous changeons ça quelque temps et dans le Boston à l'ouest chez moi. Et puis il est invité mon à l'église, bon, de là en vacances, nous faisons plaisir à l'église. Et jour ça, on me quitte ça là. Parce que le pasteur a justement choisi pour le prêcher pour dire que fille par exemple pantalon les bagues ça pas supposé les pantalons pour une église sont des sorties me jette dehors et me quitte ça parce que me balvler by Joel Press dans l'église là au moins mais qu'on y a me comprendre un pasteur qui pas veut un film de pantalon et surtout une jeune fille en pile vidéo sortie de l'église côté jamais d'avoir habillé sur l'âme qu'à comprendre pour qui ça un pasteur qui doit choisir et pour pas quitter mesdames le pantalon mais plutôt que mes tiges coûte donc ça c'est une petite parenthèse pour nous clôturer m'a dit nous merci en pile pour temps nous pour participation nous et en parenthèse faut me dire que nous t'ai une émission des choses faites sur pasteur sur l'église là débat comme ça nous gagne deux trois vidéos que nous mettez là chez nous un de ces jours on a regardé les vidéos ça on a regardé on a analysé et bien on a présenté émission sur situation l'église ces derniers jours surtout en Haïti. Donc, même de l'église, on parle de l'église protestante, et des pasteurs, au moins de business, ça. Nous parlons de ça, et qui pas généralisé que tout pasteur met dans le même panier. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un pasteur même qui fait certaines déclarations pour le condamner et identifier gens de monde qui a utilisé la parole de Dieu, qui a utilisé l'église là pour faire business. Son pasteur même qui pose en question. Allez, merci à tout le monde. Donc rendez-vous, c'est pour dimanche prochain, Jean nous dit, pour l'autre émission DJ Max and Friend, Black on White, Uncensored. Love you all.